Vladimir Andreff, vous êtes économiste, professeur émérite à Paris 1, Sorbonne. Quel est votre rapport personnel au sport Car il est intéressant de constater que lorsque des philosophes, des sociologues, des anthropologues, des historiens s'intéressent au sport, il y a très souvent chez eux autre chose qu'un intérêt théorique il y a souvent aussi une pratique sportive ou un goût pour le spectacle sportif. Et peut-être cela explique-t-il aussi. Que le sport, qui a été longtemps un objet assez négligé hein, des études universitaires, euh, soit justement euh, pris très au sérieux par ces sociologues, historiens et, et économistes. Hein. Bon. Oui, alors euh, j'ai plusieurs réponses à cette question. La première, je suis, comme beaucoup en France, un spectateur et téléspectateur de sport, euh, c'est-à-dire un, un fan ou un supporteur occasionnel de telle ou telle euh, discipline ou équipe. Mais, en effet, j'ai eu une pratique sportive étant jeune. Donc, la plus importante, puisque j'ai dû jouer en championnat jusqu'à l'âge de 33 ans, c'est dans le football à un niveau amateur. J'ai aussi participé pendant deux ou trois ans à quelques courses cyclistes amateurs. Et puis, pour mon plaisir plutôt qu'en compétition, j'ai pratiqué le tennis de table, le volleyball, le ski quand j'étais professeur à Grenoble, ce qui est assez logique, et le tennis également. Donc voilà, j'aime ai, beaucoup le sport, quoi, et y compris pour le pratiquer. Et je voudrais rebondir sur un autre aspect de votre. Vous euh, apercevez d'ailleurs. remarques. Oui. oui, oui, ça, ça c'était au départ d'une course de quatrième catégorie que je n'ai pas gagnée, <laughs> mais j'étais là, euh, je participais, comme disait Coubertin. Voilà. Donc, euh, mais le, un autre aspect de, de votre euh, première euh, question, c'est en effet, dans certaines disciplines au moins, y compris celle dont je suis originaire, c'est-à-dire l'économie, mais à l'époque, dans les années 50-60, l'économie était liée au droit, c'était des études mixtes de droit et d'économie, eh bien, euh, disons, ça ne faisait pas très bien d'être sportif. Et je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas personnelle, mais un grand professeur de droit de l'université de Paris, 1, qui était un fanatique de rugby, a écrit un article de droit du sport. C'est l'un des premiers articles de droit du sport qui a été publié en 1967. Ce professeur s'appelle Pierre Lavigne. Il, il est maintenant très âgé. Et à l'époque, il n'a pas osé signer son article Pierre Lavigne. Il l'a signé Pierre de l'Estado. Voilà. Donc, c'était. C'était un peu difficile d'afficher qu'on était très très sportif dans les milieux d'économistes et de juristes. Et alors, l'autre aspect de, de ma réponse, c'est que j'ai eu non seulement un contact au sport, mais à l'économie du sport. Et ça, c'est beaucoup plus curieux, parce que quand je l'ai eu, c'était en 1977, cette discipline ex existait à peine en France. Elle existait déjà aux États-Unis, mais assez peu en France. Et euh, du fait du concours d'agrégation, été envoyé à l'université de Limoges par mon ministre de tutelle. Et le jour où j'y suis arrivé pour la première fois pour choisir mes cours, le doyen de la faculté d'économie, entre la poire et le fromage, m'a dit dites voir en bref, le sport, ça vous intéresse Alors, euh, monsieur le doyen, je joue encore en championnat, euh, puisque j'étais agrégé assez jeune, je joue encore en championnat de foot tous les dimanches, Voilà. dans la région parisienne. On vous voit également Voilà, et euh, ça, c'est beaucoup plus tard. <laughs> et, et, et donc. Euh, sa deuxième question, ça a été, euh, dites-moi en bref, l'économie du sport, est-ce que cette notion, ça vous évoque quelque chose Alors, je lui ai répondu, monsieur le doyen, si vous me demandez si j'ai parfois gagné un petit peu d'argent en marquant des buts ou en jouant au foot, la réponse est oui. Il m'a dit, alors vous êtes The Right Man in the Right Place, l'homme qu'il nous faut. Car nous montons un centre de droit et d'économie du sport ici à l'Université de Limoges. J'ai deux professeurs de droit, François Lafilippe et Jean-Pierre Caracchio, et je n'ai pas de professeur d'économie. Voulez-vous l'être Et voilà, c'est comme ça que je suis passé du sport à aussi l'économie du sport. Donc c'est intéressant, c'est que non seulement... Le sport est un objet qui a une certaine dignité pour vous, mais en oui. plus, ça a participé presque à, à vous lancer dans la carrière universitaire. Ah, tout, 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 bon, tout à fait. Un contre-exemple euh, admirable. Ah oui, oui. Alors peut-être peut si on peut mettre un peu d'emphase là-dessus pour encourager des jeunes collègues à, à refaire cela. Euh, bon, moi, mes spécialités en économie, c'était d'une part l'économie internationale due à l'une de mes thèses, et d'autre part l'économie des pays socialistes, comme on les appelait à l'époque, ou communistes. Euh, bon, ça n'avait rien à voir avec le sport. J'arrive à Limoges, j'enseigne diverses choses, dont mes spécialités ou d'autres choses. Mais, après cette conversation avec le doyen, l'année suivante, mes deux collègues juristes ont créé ce qu'on appellera aujourd'hui un master, ça devait être un DESS ou quelque chose comme ça, de droit et d'économie du sport. Et dedans, ils mettent un cours d'économie du sport. Et je me suis trouvé à enseigner le premier cours d'économie du sport en France, assurément, en 1978. Certains disent en Europe, ce qui est assez probable, d'autres poussent le bouchon en disant c'est le premier cours au monde, je n'y crois pas, il y en avait déjà aux États-Unis. Le sport est-il est encore un jeu Un jeu au sens propre du terme ne produit pas d'œuvre. Euh, on n'est non pas dans une poésie, comme disaient les Grecs, hein, mais dans une praxis. Mmh, oui. euh, ça ne produit pas de richesse. Or aujourd'hui, le sport est devenu une activité économique, une activité qui intéresse l'économiste. Est-ce encore un jeu euh, écoutez, là, la, 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 la réponse, euh, ce n'est pas l'économiste qui fournirait la meilleure réponse, mais je vais essayer de m'extraire de ma, de ma spécialité un instant. On en voit fait, une petite fille il y, il, qui est en train de Il y a un joueur. aspect jeu dans le sport, et je crois qu'il subsiste, euh, sauf peut-être au plus haut niveau professionnel, où on a vraiment l'impression que tel joueur s'ennuie sur le terrain, mais c'est pas fréquent, même Messi, il prend encore du plaisir à ce jeu ce qui est pour lui quand même un jeu, c'est un jeu qui lui rapporte des millions d'euros par an, mais il mais y, a, y a une dimension jeu qui persiste toujours. Mais euh, si on veut vraiment dire que, que c'est un jeu, faut, il vaut mieux regarder en effet une petite fille qui fait de la balançoire, ou des petits garçons qui courent sur un stade ou hors stade, euh, ça, ça c'est vraiment, c'est strictement ludique. Alors que dans les, le professionnalisme, il y a un jeu ludique et il y a un jeu d'argent. Il y, a, il y a aussi un jeu d'argent. Mais quand jouent... on regarde des enfants, je pense par exemple à cet enfant que nous regardons, hein, c'est un, un enfant qui participe à, à un combat de boxe thaïlandaise. Hein. Euh, où est le jeu euh, Il est pris dans une logique, qui est une logique à l'évidence sociale et économique, une logique de survie aussi. Oui. Alors, je suis complètement d'accord. C'est un cas relativement horrible. Il doit y en avoir d'autres avec des, des altérophiles très jeunes et des choses comme ça, euh, où on met des enfants à travailler. Mais il se trouve que lui, il était doué plutôt à la boxe taille à coudre des, des gants de boxe dans une usine de Nike ou je ne sais pas qui. Donc on l'a mis plutôt sur le ring. Et, et je pense que lui s'amuse plus que son congénère qui travaille chez un sous-traitant d'Adidas. Donc il y a un peu plus de jeu pour lui quand même que pour celui qui, au même âge, dans ce genre de pays, se trouve amené parfois à travailler dans des conditions... Bon, ce pas très drôle de prendre des coups à la box time mais il a quand même la joie d'en donner. Euh, alors que euh, s'il prend son verre de lait, et son dollar par jour, pour, pour coudre des gants ou des ballons de... Alors maintenant on ne coupe plus les ballons, mais on coud des t-shirts ou je ne sais quoi, euh, je pense qu'il s'amuse quand même un peu plus. Donc il même dans ce cas-là, qui est le pire, il y a encore un petit peu de dimension ludique. Oui, mais ici la dimension ludique elle est aussi euh, ce sur quoi joue d'une certaine de façon, façon tout un, oui, toute une machine euh, oui, oui. Et, qui, et qui permet justement à la fois une, une exploitation tout ce qu'il y a de plus horrible absolument. et oui. de les tenir. Ah oui, absolument. Mais c'est bien là le problème, c'est que le jeu de, le jeu ludique pour le dire comme ça et le jeu d'argent se superposent. Et, et vraiment, ce qui est difficile aujourd'hui, ça n'est pas de définir un sportif professionnel. Ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est de définir ce qu'est un vrai sportif amateur. Parce que l'argent peut s'infiltrer à tout moment, même chez des enfants très jeunes, comme on le voit sur cet exemple. Bien sûr, ce que je pense, évidemment, aux jeunes enfants qui travaillent dans les mines, ils devaient sûrement s'amuser avec les wagonnets. Oui, mais, mais aujourd'hui, nous y reviendrons peut-être, une partie massive des articles de sport sont fabriqués dans ce qu'on appelle les pays émergents. Euh, non pas dans des usines qui appartiennent à Nike. Nike ne produit pratiquement plus d'articles de, de sport. Il les fait produire par des sous-traitants au Pakistan, en Indonésie, etc. Et là, les enfants ne s'amusent pas du tout. Ils travaillent des, des journées de 12 heures, ils sont payés pas, pas beaucoup. Euh, C'est devenu tellement scandaleux qu'en 1997, il y a une campagne anti-Nike. Qui a conduit Nike et d'autres firmes de, de l'industrie des articles de sport à adopter un code de conduite pour essayer de limiter ce genre d'embauche de, chez leurs sous-traitants? J'aimerais qu'on revienne à la, à la genèse de l'économie. Du sport, puisque vous avez en France été l'un des premiers à enseigner l'économie du sport. Euh, cette, cette économie du sport, elle, elle suppose une certaine interdisciplinarité, sinon une certaine transdisciplinarité. Euh, donc d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de, de cette transdisciplinarité ou de cette interdisciplinarité, et peut-être aussi euh, du fait que, que les ponts entre les disciplines mobilisées euh, ont été à certains égards rompus par l'influence anglo-saxonne et des modèles euh, exclusivement quantitatifs. Euh, en effet, les L'économie du sport, euh, on, tout le monde convient de dater sa naissance à une année précise, qui est 1956, l'année où Simon Rothenberg, un économiste américain, a publié un article sur le marché du travail des joueurs de baseball, de la Major League Baseball américaine. Euh, un article que, enfin, si on, si on ne le cite pas, on passe pour ignare aujourd'hui en économie du sport. Mais, donc, ils ont, il y a une antériorité américaine définitive. Mais les Américains font de l'économie d'une façon bien particulière. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à la faire. Ils font ce qu'on appelle nous, les économistes, de l'économie mainstream. Il y a un courant dominant en économie. Pour le faire bref, c'est un courant euh, lié à ce qu'on appelle la théorie néoclassique d'inspiration libérale. Bon, mais il y a en économie d'autres courants. J'en citerai deux très brièvement la théorie keynésienne. Keynes était anglais, il n'était pas américain, et puis la théorie marxiste. Alors Marx était, était européen, il parlait plutôt en allemand. Bon. Donc il y, y a plusieurs euh, courants en économie, et il se trouve que c'est un économiste libéral, néoclassique, mainstream, qui a eu l'idée géniale, le premier, d'écrire un article sur l'économie du sport, 1956. Alors pendant une quinzaine d'années, il n'y a pas eu beaucoup d'articles, même aux États-Unis. Mais en 1971, deux économistes américains, L. O'Derry et Kirk, ont écrit un article qui présente le premier modèle mathématique d'équilibre économique d'une ligue de sport professionnel, de sport d'équipe professionnelle. Alors, ça, c'est vraiment la naissance parce que, comme vous le savez peut-être, l'économie ou la science économique s'est énormément mathématisée, en particulier dans son mainstream, à partir des années 70 précisément. Et donc il s'est créé tout un courant qu'on peut appeler anglo-américain, parce que les Anglais fonctionnent de la même façon, mais les Anglais se sont mis à l'économie du sport que dans les années 70, et dans tout cet horizon-là, on ne voit pas d'interdisciplinarité, ou de multidisciplinarité, ou de transdisciplinarité, ce sont des économistes pur sucre, purs et durs, et ils ne veulent pas se mélanger avec d'autres disciplines. En Europe, euh, je dirais que d'une certaine façon c'est plus intéressant, ce ne sont pas les économistes qui ont créé l'économie du sport. Alors, je suis un peu le, la preuve du contraire de ce que je viens de dire, mais, mais euh, je vais tout de suite rendre hommage à quelques références que, euh, que j'ai en dehors de, de l'économie proprement dite. Il se trouve qu'au moment, euh, enfin dans les années 70, en Europe, il y a des, des gens que je qualifierais plutôt de sociologues. Alors, dans le cas des Français, ce sont... Typiquement des sociologues comme Christian Pocciello, qui doit être connu dans, dans, dans la maison, euh, comme Bernard Michon à Strasbourg, comme Jean Camille à Lyon, qui étaient certes des sociologues, ou Camille un ethnologue s'intéressant au sport, faisant leur carrière sur, sur la sociologie du sport, mais qui intégraient dans leurs analyses et dans les variables qu'ils prenaient en considération des variables économiques. Et donc un jour, Pocciello... A pris contact avec moi en me disant Moi, je fais, euh, j'essaie de montrer que les, les joueurs de rugby euh, ne jouent pas à tel poste ou à tel autre, et que dans les déterminants de, de leur choix ou de leur affectation à un poste, il y a des variables économiques. Par exemple, les, les, les postes nobles du rugby qui sont arrière et trois quarts, ce sont des professions libérales. Par contre, les tâcherons du pack, c'est des agriculteurs, c'est des des, costaud, quoi. Pas, ils ne travaillent pas dans une compagnie d'assurance. Et il, dit, tu, il me disait, tu vois bien, il y a, il y a des déterminants économiques, mais est-ce qu'on peut en dire plus Et j'ai trouvé que la co collaboration que j'ai pu avoir avec des gens comme Pochelo, Michon, Camille, etc., était très enrichissante. Euh, et effectivement, c'était un, un dialogue interdisciplinaire qui a conduit au fait que... Euh, ce, le même mouvement s'est produit en Allemagne, en Italie, mais en France il est très très fort, et très très fort aussi parce que beaucoup de sociologues du sport étaient très très influencés par Bourdieu, différenciation sociale, mais nous les économistes, on s'est parlé de différences économiques ou d'inégalités économiques, donc ça s'emboîtait bien d'une certaine façon. Et, et donc il s'est créé dans les années 80, on va dire, euh, par convergence de ses travaux, euh, quelque chose qu'on a parfois appelé en, en France la socio-économie du sport. J'ai des collègues qui se disaient socio-économistes du sport, c'était souvent des sociologues intéressés par l'économie, ou des économistes critiques, c'est-à-dire hors mainstream, c'est-à-dire qui ne se reconnaissaient pas dans la théorie libérale, mais qui se reconnaissaient plutôt dans le marxisme à l'époque, ou dans la théorie de Keynes, ou autres, euh, ou dans les évolutionnistes, etc., qui... Disait, nous, nous n'adhérons pas au mainstream, nous sommes critiques, et portons donc un regard critique sur la pénétration de l'argent dans le sport. Alors là, du, du coup, ils se retrouvaient très en phase avec les sociologues, qui portaient aussi un regard critique sur certaines dérives du sport, etc. Et donc, il y a eu cette socio-économie, ou parfois on l'a appelé aussi l'économie politique du sport. J'ai édité un ouvrage collectif en 89, intitulé Économie politique du sport, dans lequel il y a des économistes, mais il y a aussi des sociologues, par exemple. Ou il y a Marc Guillaume, que je, bon, qui est certainement un économiste de formation, mais qui a un spectre beaucoup plus large, en, en fin de compte. L'interdisciplinarité, c'est pas simplement un, un parti pris, c'est aussi presque une, une nécessité, étant donné la complexité de l'objet. Absolument. Euh, au sens où Edgar Morin parle de complexité, ça suppose un regard croisé entre des disciplines. Prenons l'exemple d'un marathon, par exemple. Un, un marathon, c'est certes une, une expérience, une, une épreuve sportive, mais qui, qui mobilise pour l'étudier des approches extrêmement diverses, sociologiques, psychologiques, historiques, économiques. Oui. Mais tout à fait d'accord avec cette remarque. D'Aucun a dit que le sport était un fait social global et donc à la manière toutes, de Moss, les, toutes oui. les sciences sociales devraient être concernées ou devraient en faire un objet. Donc l'idée d'un objet très vaste et qui euh, devrait favoriser la coopération entre les disciplines est tout à fait juste. Elle est tout à fait juste, mais depuis le milieu des années 90, elle est assez largement récusée par les économistes, justement, parce que... Euh, la fin de mon histoire de tout à l'heure c'est que dans les années 90 il s'est passé deux, trois choses importantes qui ont rendu l'argent beaucoup plus influent sur le sport qu'avant alors j'ai juste cité l'arrêt Bosman mais il y a des tas d'autres choses qui se sont passées dans les années 90 qui ont conduit à un intérêt accru des économistes pour le sport y compris d'ailleurs parce qu'il y avait de plus en plus de budget pour confier à des économistes des études sur le sport donc euh, si vous donnez à un économiste, euh, vous lui promettez une bourse pour faire un peu de recherche, il y va. Hein. Vous avez Donc, un marathon euh, nager' là, qui est euh, ah oui, oui. spectaculaire. Ça, c'est le, le fait global. Euh, mais justement, euh, les économistes ont un peu fait couler ça, si, si je peux Belle me permettre ce, ce jeu de mots, parce que euh, dans les années 90, avec la pénétration de plus en plus forte de, de l'argent dans le sport, avec le développement euh, vraiment très rapide des sports professionnels, la professionnalisation d'un nombre croissant de sports, les économistes ont été de plus en plus attirés vers l'analyse de ce fait. Et si vous regardez dans la population des économistes dans le monde, 80% sont néoclassiques libéraux. Même s'ils ne le sont pas idéologiquement. Mais méthodologiquement, ils font des modèles mathématiques qui, qui, qui doivent prouver qu'il y a un équilibre économique, etc. Le marxisme a régressé dans l'économie et la sociologie du sport comme ailleurs. Les Keynésiens sont moins en code qu'avant. Et donc, à partir du milieu des années 90, peu à peu, s'est instauré un dialogue qui n'existait quasiment pas entre ce que j'ai appelé les socio-économistes à l'européenne et les économistes du sport plutôt orthodoxe ou mainstream anglo-américains. Et il se trouve qu'on ne s'est pas trop tapé dessus quand même, parce que l'intérêt pour l'objet était tellement fort qu'on s'est supporté. Mais évidemment, il y a des querelles. Il y a des querelles à l'intérieur de l'économie du sport. mais on peut dire que la dominante aujourd'hui, c'est l'économie néoclassique. Donc l'économie, nous avons comme compris... Le font, comme le font 80% des économistes dans le monde. C'est ça, et l'économie, bon, nous comprenons qu'avec sa, sa mathématisation, entre guillemets, voilà. avec le développement de l'économétrie... Qui l'autarcise, voilà, qui, qui l'autarcise un peu parce que, euh, d'abord, elle devient un peu autiste, la science économique devient un peu autiste à cause de cette... Euh, bon, elle, elle se veut la seule science dure parmi les sciences molles, si je puis si je puis m'exprimer ainsi, ou la seule science dure parmi les sciences. Il n'y a de science que du mesurable. Voilà, voilà c'est voilà, du mesurable, il faut que ça mesure, ou si ça ne mesure pas, que ça construise un raisonnement logique le plus serré possible. Alors, évidemment, le, pour serrer un raisonnement logique, il y a sans doute la philosophie, mais il y a surtout les mathématiques. Voilà. Vous avez envisagé la question de la, de la comptabilité euh, dans cette économie du sport. Et quels sont les, les enjeux et les problèmes d'une comptabilité euh, euh, proprement euh, sportive entre Tout à fait. Alors il faut rendre hommage à la première personne qui a fait euh, de... Alors je précise le mot comptabilité. Il y a la comptabilité de, de l'entreprise ou du club, qui est la comptabilité microéconomique, on pourra en reparler. Mais en effet, à partir des années 70, particulièrement en Europe, il y a eu un intérêt euh, à... Essayer de comptabiliser euh, le poids économique du sport, c'est-à-dire une comptabilité macroéconomique. Finalement, toutes les activités sportives, ça génère ou ça attire combien d'argent, combien de flux économiques, et comparé à l'économie de la nation, ça, ça représente combien. Alors il faut rendre hommage ici au travail de Chantal Malenfant-Dauriac, qui, qui est une sociologue du sport, mais qui a fait sa thèse sur un thème économique qui était de bâtir. Un compte satellite, cest un compte macroéconomique du sport en France. Et elle l'a fait, elle a passé six ans à faire sa thèse parce que c'était très très compliqué de rassembler tous ces renseignements. Et elle l'a publié euh, en 77 et il faut vraiment lui rendre hommage. Alors après, il y a eu des, des tentatives, cette idée s'est répandue partout. Alors c'est pas une idée désintéressée. Bon, si, si par exemple je vous dis, le sport en France, c'est 1,76% du, pro, du produit intérieur brut, ce qui est le chiffre exact officiel, calculé euh, comme les économistes aiment à le faire. Hein. C'est bon, une information. Donc euh, vous pourrez après euh, aller dire, mais les, le sport, c'est un secteur plus important que le textile, puisqu'on fait 1,76%. Et puis vous voyez qu'il y a tout de suite derrière un intérêt. Pour le mouvement sportif ou les organisations sportives, qui est d'aller voir tel ou tel ministère en disant, alors, on représente une fraction non négligeable de l'économie française, donc vous devez en tenir compte, vous, vous devez éventuellement prévoir des fonds pour cela, etc. Donc c'était pas désintéressé, mais intellectuellement, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Et alors ça s'est répandu euh, dans d'autres pays européens euh, à tel point que le Conseil de l'Europe, s'est saisie de cette question dans les années 80 et a demandé euh, à une équipe anglaise de réaliser une première étude pour rassembler des données aussi. Enfin à l'époque, elles n'étaient pas du tout homogènes, mais, enfin de rassembler des données sur le sport. Puis il y a eu une deuxième euh, étude qui a été confiée à une équipe française dont j'étais le, le responsable. C'était M. Bambuc, je crois, qui m'avait confié cela, euh, comme mission. Donc de... Alors là, on a essayé de rassembler sur 12 pays européens des statistiques homogènes sur combien d'argent les entreprises, les ménages, l'État, le, les collectivités locales... Et ça date de quand ça compte ça compte Alors ça, ça date... L'étude a été validée par, le, le conseil des, par les ministres européens du sport en 1994. Et l'étude s'est déroulée de fin 92 à mi-93. Donc voilà, ça c'est une deuxième étude du, du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe avait prévu une troisième vague, et l'Allemagne était... Prêts à, à prendre en charge. Ils avaient de très bons économistes, ils ont toujours de très bons économistes du sport. Et malheureusement, le budget a été coupé, comme on dit, a été supprimé au Conseil de l'Europe pour cause d'austérité et, et ça s'est arrêté. Et c'est très dommage. Alors, quelques pays ont décidé de le faire par eux-mêmes. J'ai été appelé comme conseiller en Slovénie en 1997 pour faire réaliser à des économistes slovènes une étude du même genre, donc quelques pays ont, ont fait ça. Et puis, euh, fort heureusement, mais plus tard, dans les années 2000, la Commission européenne, c'est-à-dire plus exactement l'unité sport de la Commission européenne, a repris le dossier. Et sur une initiative autrichienne, quand l'Autriche présidait l'Europe en 2006, euh, la Commission européenne a accepté un projet autrichien qui était de relancer la construction d'un compte satellite. Européen du sport. Alors, le mot européen veut dire qu'en principe, les 27 pays membres, et bientôt on sera 28 avec la Croatie, nous voyons les... Ah, les voilà, 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 que les 27 pays de l'UE devraient, à une échéance pour l'instant inconnue, produire un compte économique du sport, un compte satellite du sport, mais qui demande un nombre de renseignements énorme. C'est une matrice de 400 lignes sur 400 colonnes. Il faut, il faut mettre des chiffres dans tout ça. C'est un travail énorme. C'est tellement énorme que pour l'instant, trois pays seulement ont réussi à renseigner la matrice. L'Autriche, qui était initiatrice du projet, le Royaume-Uni, ce qui est important, Chypre, c'est intéressant, mais c'est moins important, mais il y a plusieurs pays, il y en a cinq ou six qui sont engagés à le faire, l'Allemagne, la France, la Pologne et un ou deux autres, mais qui n'y parviennent pas. Et parce que ce n'est pas l'Union européenne qui paye. Donc il faut que les ministres des Sports, etc mettre ça au top de leurs priorités. Bon, ils ont ils ont d'autres choses à faire en ce moment. Ça montre bien les difficultés de mise en place oui. d'une d'une entreprise européenne réelle. Oui oui. Alors ce Et là, il y a deux, deux raisons. Il y a une raison financière. Ça coûte cher un compte un compte économique du sport. Ça coûte cher de le monter. Euh, deuxièmement, euh, c'est méthodologiquement difficile. Et précisément pour cette raison-là, euh, nous en France, nous avions adopté, enfin du temps où Madame Buffet était ministre. Euh, le cabinet avait convoqué un groupe d'experts dont, dont je faisais partie pour essayer de construire une comptabilité macroéconomique du sport. Et dès les, dès les premières réunions de ce groupe d'experts, euh, nous avions choisi. Euh, alors il y avait des gens de l'INSEE, par exemple, de l'Institut national de la statistique, dans, dans ce groupe. Et très vite, nous avions conclu que, avec l'argent dont on pouvait penser euh, que l'on disposerait, il était impossible de faire un compte satellite du sport, qui aurait demandé un travail énorme. Et donc nous avions opté pour un autre choix qui était une batterie d'indicateurs économiques, macroéconomiques, plus, plus simplifiée, qui tient en quatre pages, mais qui est publiée tous les ans depuis, euh, depuis dix ans. Et qu'est-ce que cela nous apprend véritablement Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est intéressant intellectuellement. Ça peut être, il y a des ah conséquences, oui, j'imagine, politiques. Ah bah, euh... bien, entendu. bien entendu. Par exemple, ça nous apprend. Alors, je commence par les mauvaises nouvelles <laughs> je vais finir par les, <laughs> les meilleures. Bon, ça nous apprend, par exemple, que le poids de l'État dans l'ensemble des financements qui sont adressés au sport est plutôt en diminution. Alors, il y a des gens qui traduisent ça en termes politiques il y a un désengagement de l'État. Euh, du sport, où il y a une privatisation du sport. Bon, je c'est un langage politique. Mais il s'appuie sur un affaiblissement qui n'est pas énorme, mais la part de l'État dans l'ensemble du financement du sport diminue. Pourquoi Parce qu'il y a d'autres sources qui ont cru. Alors, quelle est, passons aux bonnes nouvelles. Quelle est la source qui croit beaucoup et qui apporte le plus au sport Ce, ce sont les ménages. Le financement du sport dans tous les pays européens, c'est au moins 50% de, de l'argent apporté au sport. Ça vient des ménages. C'est vous et moi qui, qui finançons le sport. Euh, une autre euh, nouvelle bonne, si on euh, si n'est pas un marxiste antédiluvien, c'est que les entreprises privées apportent de plus en plus d'argent au sport. Ah, avec une petite nuance, c'est qu'elles sont plus intéressées par les sports professionnels et médiatisés que par les autres. Quoi. Voilà, bon. Donc elles sont sélectives, mais elles font fonctionner le sport. Et puis les collectivités locales, après les ménages sont en importance la deuxième source de fonds pour le sport. Donc c'est intéressant pour elles aussi, parce qu'elles doivent définir une politique vis-à-vis -vis du sport, et elles vont tenir compte de ces chiffres. Elles peuvent tenir compte de ces chiffres. Donc c'est politiquement important. Je dirais qu'à la limite, pour l'information du citoyen, ça serait bien que ces chiffres soient plus connus qu'ils ne le sont. Parce que même en France, depuis 10 ans, ou en Angleterre, depuis dix ans, on a une série continue de chiffres. On pourrait en tirer des conclusions, mais souvent à la télévision, on entend toujours la même chose. Quoi. On... Les gens ne se réfèrent pas à ces chiffres. Alors, une approche économique du sport euh, conduit à envisager la question du marché, et à commencer par le marché de la, de la pratique sportive. Euh, et sur ce marché, qui, qui offre, qui demande oui, alors il euh, y a une foultitude, si vous me permettez, une multitude de, de, de marchés, mais euh, celui qui est le moins étudié, curieusement, par les économistes, c'est celui que vous avez mentionné. Pourquoi Parce que ce n'est pas nécessairement celui qui attire le plus d'argent. Voilà. Parce que euh, la pratique sportive, à la limite, on peut en faire gratuitement. Alors, en effet, le, qui offre, qui demande sur ce marché Alors, du côté de, de la demande, bah, il y a des gens qui demandent, c'est vous et moi, enfin, hein, c'est 50% de la population dans la plupart des pays européens, sont des pratiquants du sport, disons, irréguliers. Alors par exemple, au sens de l'INSEE, irrégulier, ça veut dire ils en font au moins une fois par an. Ce n'est pas beaucoup une fois par an, mais ça concerne au moins la moitié de la population française, voire un peu plus. Je dirais que les autres 50%, ils sont concernés aussi, parce que bien souvent on leur dit « Mais vous payez pour le sport alors que vous n'en faites pas ». Parce que vous payez des impôts, et puis les impôts, ils vont, une partie va financer le ministère des Sports, ou je sais pas quoi, bon, ou les collectivités locales. Donc ça concerne tout le monde d'une certaine façon. Et puis d'un autre côté, il y a le, le vrai marché de la pratique sportive, c'est les 20, 25% environ, c'est 20-25% selon les pays européens, euh, de, de, de gens qui font régulièrement du sport. Donc la définition statistique de l'INSEE, c'est au moins une fois par semaine. Donc, il y, a, il y a un quart de la population française qui en fait une fois par semaine, officiellement. En fait, il y en a plus que cela. Parce que la définition de l'INSEE ne tient pas compte de ce que je vais appeler l'auto-pratique ou la pratique auto-organisée. Vous pouvez dimanche matin décider d'aller faire un jogging au bois de Vincennes. Vous, vous avez juste besoin de mettre une paire de chaussures et un, et un short et, et c'est bon. Et ça, vous n'êtes pas enregistré nécessairement dans les statistiques. Parce que l'INSEE n'enregistre pas ça. Elle enregistre des, des, des pratiques euh, Organisée, on va dire. Donc, il y a une, une partie du marché qui est une demande de pratique organisée. Il y a le, la pratique auto-organisée qui ne crée pas de marché, puisque vous décidez vous-même, vous n'achetez vous rien. Si, vous achetez vos chaussures une fois, mais c'est tout. Et puis, il y a un autre secteur de pratique, et il y a une demande pour cela, qui est une demande de sport commercial. Il y a des gens qui aiment aller à l'Aquagym. Au club méditerranéen pour faire du sport, ou dans une salle de, de, de remise en forme, etc. Donc là, ils sont prêts à payer à l'entrée ou à un abonnement pour avoir régulièrement accès à ce genre de service. Donc voilà la demande. Alors, du côté de l'offre, eh bien les offreurs ils sont immédiatement désignés. Il y a les, les associations sportives pour tout ce qui est le sport organisé associatif. Mais là, il y a eu une très grande évolution du marché. Quand j'étais enfant, ce marché, cette, cette offre-là couvrait presque 100% de l'offre totale. Tout le monde avait l'habitude d'aller faire du sport dans une association. Aujourd'hui, c'est entre 50 et 60% de l'offre. Les 40% restants, c'est soit l'auto-organisation de l'offre par soi-même, par celui qui le demande. Je m'offre à moi-même le sport que, que je demande. Voilà. Et puis il y a le secteur commercial qui, qui a empiété, donc il y a 40%. Environ qui échappent aujourd'hui aux associations sportives. Et puis il y a d'autres euh, formes de marché. Euh, il y a le marché euh, du, du spectacle sportif, par exemple, le marché de la performance, Alors, euh, qui est beaucoup plus mondialisé, c'est peut-être aussi ce qui. Beaucoup euh, plus que celui de la pratique. Oui. Euh, il est, est rare que. Enfin, il ne me vient pas à l'idée de prendre une licence dans un club à Copenhague, si j'habite à Montpellier. Quoi. C est, c est, cette mondialisation-là ne fonctionne pas. Par contre, le spectacle, euh, ça, je peux attirer à Montpellier des spectateurs de Copenhague si en Champions League, en Ligue des Champions, pardon, euh, l'équipe de Montpellier joue contre l'équipe de Copenhague. Donc là, il y a une mondialisation. Et puis alors, c'est encore plus mondialisé parce que le match en question il va être retransmis à la télé au Danemark et en France, mais probablement, il, il est vendable dans beaucoup d'autres pays du monde. Donc euh, plus on est dans le sport spectacularisé ou le sport spectacle, tout simplement, et plus il y a des, des voies de mondialisation, le, le, le maximum étant le sport télévisé, bien sûr. Et, et donc, là, euh, donc là, il y a des distinguos à faire entre le sport que je vais appeler le, le spectacle direct et le sport médiatisé. Le spectacle direct, c'est ce qu'on consomme qu dans le gymnase que l'on voit à l'écran, ou, euh, enfin, la salle de, de sport, la halle de sport plutôt que le gymnase, ou dans, dans un stade de foot. C'est un, une, une enceinte. Dans laquelle on peut entrer en payant, ce qui procure des recettes au guichet pour, pour l'organisateur de ce spectacle. Voilà, donc ça c'est. Autrefois, euh, je dirais il y a 40 ans, c'était le produit principal en termes de spectacle sportif. Les clubs, les ligues vendaient ça, d'abord et, et avant tout, des entrées dans les stades. Et puis il y avait un produit dérivé qui est apparu dans les années euh, vers la fin des années 50 au niveau européen euh, et qui s'est vraiment développé dans les années fin des années 60 et années 70, qui est la retransmission télévisée de, de ce que l'on voit à l'écran. Alors là, on s'est aperçu que c'était un marché à la fois plus vaste, puisque dans un stade vous touchez au plus possible 200 000 personnes au Maracagna quand il n'était pas effondré. Voilà, c'est le plus grand stade du monde, 200 000 personnes. C'est beaucoup, mais enfin, c'est 200 000. Une émission de télé, vous passez dans les millions, voire dans les milliards de, de spectateurs. Donc, ça, ça démultiplie à la fois l'audience et euh, ça. Donc c'est plus juteux, enfin je ne devrais pas dire ça en tant qu'économiste, c'est plus rentable, disons, pour prendre un terme correct. On peut faire beaucoup plus d'argent avec cela, et on peut le mondialiser beaucoup plus que le, le sport spectacle consommé dans un stade. On comprend que le, que le sport spectacle soit un marché, mais le marché de la performance. Hein. Il y a une question qui se pose vraiment qui est est-ce qu'il y a un marché de la performance Est-ce que je peux vous vendre euh, Ma performance sur un 100 mètres Ou est-ce que je peux vous vendre ma victoire Ça, ce n'est pas évident. Euh, ce n'est pas évident parce que qui est-ce qui est prêt à acheter une victoire du Paris Saint-Germain Un super fan du Paris Saint-Germain. Lui, va au stade pour voir gagner le Paris Saint-Germain. Mais le téléspectateur, non, parce que le téléspectateur, il, ce qu'il veut, c'est un bon match donc il veut qu'il y ait un, un bon adversaire contre le Paris Saint-Germain pour qu'il y ait un match à enjeu, à, à, dont le résultat est incertain, où il y a du suspense, voilà. Euh, donc il y a des conditions de vente euh, d'une performance quand on est euh, au niveau d'une vente à un individu. Il faut lui vendre un spectacle de qualité, après on peut discuter qu'est-ce que c'est que la qualité d'un spectacle, mais il faut lui vendre un spectacle de qualité. Si vous organisez un match entre deux équipes nulles, au fin fond de la Lozère, vous aurez personne. Quoi. Voilà. Mais il y a une autre manière de répondre, et c'est celle-là qui est nouvelle, pour... c'est celle-là à laquelle les économistes s'intéressent depuis une période plus récente, c'est n'y a-t-il pas, d'une certaine façon, un marché mondial de la performance sportive, non pas individuelle, mais des équipes nationales Parce que vous pouvez vendre à une nation l'idée qu'elle est très bonne, parce qu'elle gagne beaucoup de médailles. Vous voyez, il y a un Monsieur qui fait ça des fois, qui, qui, qui serait un peu dans cette logique. C'est la France est bonne parce qu'on est compétitif, mais on peut l'être dans le sport. Et donc, en effet, euh, on peut se poser vraiment la question. Et des économistes ont répondu que ça a un sens de parler d'une sorte de marché euh, des performances sportives mondiales. cest il n'est pas indifférent. Euh, ni sur le plan de la notoriété, ni sur le plan de, euh, dirais-je, du bien-être national, ni bien sûr sur le plan économique. Il n'est pas indifférent que ce soit l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde de foot en 1998, ou pour les Chinois, que ce soit la Chine qui remporte le plus de médailles euh, en 2008 aux Jeux de Pékin. Et alors immédiatement, l'économiste se pose la question suivante qui est, alors, si, si ça fonctionne comme ça, si, si ce n'est pas complètement neutre d'un point de vue économique, deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas des déterminants économiques de ces performances Bon, pas de la performance individuelle, encore que un athlète qui est bien nourri, bien payé, etc., il va être peut-être plus performant que celui qui court pieds nus, etc. Donc, ça pourrait même marcher au niveau individuel. Mais au niveau des nations, l'idée, c'est est-ce que une, toutes les nations se trouvent dans, dans un idéal coubertinien, elles sont toutes égales au départ. Et ça, un économiste ne peut pas y croire. Parce que dans les 200 nations du monde, il y en a qui sont très développées, il y en a qui sont développées, il y en a qui sont moyennement développées, il y en a qui sont sous-développées. Et quand on regarde le tableau des médailles, qu'est-ce qui gagne Les trois quarts des médailles vont aux pays développés. Et donc l'économiste enclenche un raisonnement en disant, il doit y avoir des variables économiques qui déterminent les gains de médailles. Et en effet, on s'aperçoit que les pays qui gagnent le plus de médailles sont car caractérisés par l'une des choses suivantes, mais en général par l'ensemble des choses suivantes. Ils ont un produit intérieur brut par tête, c'est-à-dire un niveau de développement assez élevé. Ils ont une population qui n'est pas microscopique. Le Luxembourg est très très riche, mais ils ne gagnent pas beaucoup de médailles. Ils ne sont pas très nombreux, les luxembourgeois. Euh, le fait d'être le pays hôte des Jeux va aussi... Euh, être favorable au gain de médailles. Euh, le cas de Pékin est absolument exemplaire. À cet égard. Et puis après, on peut trouver d'autres variables, par exemple, euh, qui sont moins économiques, mais qui sont peut-être socio-économiques au moins. Il euh, y a des pays qui se spécialisent dans certains sports il y en a qui ont une culture sportive d'un certain type. Donc les sprinteurs, ils sont en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Les coureurs de fond, ils sont plutôt dans l'est de l'Afrique. Les haltérophiles, ils sont dans les Balkans et en Turquie. Enfin, voilà. Et donc, si on intègre aussi ce genre de variables, on arrive à expliquer très bien la répartition des, des médailles entre les pays. Éventuellement, si on a su expliquer ça, on peut peut-être faire des pronostics sur le, le coup d'après l'économie avec ses modèles, et des modèles oui, mathématisés, économétriques, oui. euh, sont susceptibles à la rigueur de prévoir les résultats. Oui, bon, C'est intéressant euh, du point de vue sportif, mais ça doit également intéresser d'autres secteurs de l'économie, en particulier et les banques, par exemple. Exactement. Alors ça, ça, il y a au moins trois genres d'acteurs qui, qui sont intéressés. Alors, on, on a fait un modèle qui a été publié en mai 2008, qui a, moyennant les variables que j'ai indiquées, a Dit au Jeux de Pékin, la Chine gagnera tant de médailles, on avait dû en prévoir 80 et quelques pour la Chine, euh, les États-Unis en gagneront 110, euh, la Russie en gagnera tant, voilà, et on, on l'avait fait pour tous les pays du monde. Publié un mois avant, il se trouve qu'après les Jeux, l'INSEP a décidé, c'est-à-dire l'institution ici, a décidé de publier un ouvrage récapitulatif du bilan des Jeux Olympiques de Pékin et de la place de la France dans, dans, dans ce bilan. Et le directeur de, de l'INSEP actuel, qui se trouve avoir été un de mes étudiants à Limoges euh, en 1984, euh, m'a dit « est-ce que vous ne pourriez pas nous faire un article qui explique la différence entre votre prévision et les résultats ?» Et c'était une très très bonne question, puisque notre modèle avait très exactement prévu 70% de la répartition des médailles. Là, il était impeccable, mais dans 12% des cas, c'est-à-dire pour 23 pays, pour 23 nations olympiques, il s'était planté, comme dirait l'autre. Voilà. Et Maudet, Thierry Maudet était, en l'occurrence, intéressé à, et je pense qu'il exprimait un intérêt d'autres personnes ici à l'INSEP, était intéressé à savoir pourquoi ça plantait. Et donc, j'ai décortiqué les écarts, et en faisant des hypothèses sur ce qui, ce, qui, ce qui pouvait permettre de comprendre ces écarts. Alors, par exemple, euh, euh, on, on s'était euh, trompé, enfin le modèle ne se trompe pas, mais il a, il a fait un, un pronostic différent de la réalité, euh, dans deux sens. Dans certains cas, il avait prévu trop peu de médailles. Le cas le, le plus net, c'est la Chine. Mais un autre cas, alors, on s'était trompé, il nous manquait 17 ou 18 médailles. Donc ça fait beaucoup. Alors c'était sur 100, mais c'est avec 17% d'erreur, mais enfin c'est pas mal quand même. Bon, il y a un autre pays où, à la limite, on s'est trompé encore plus. C'est la Jamaïque, à qui le modèle avait dû imputer trois médailles. Ils en ont eu onze. Euh, bon, quelques, un autre pays exemplaire de, de notre erreur par le bas, c'est le Royaume-Uni. On lui avait prévu 36 ou 38 médailles, et il en a eu 47. Alors on s'est un peu gratté la tête, et on, 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 a, vu, on a supputé que, dans ces trois cas-là, il y a une variable dont, un, dont on avait discuté dans notre article, parce qu'un des rapporteurs, comme une, ça avait été publié dans une revue scientifique, il y avait eu un, un des rapporteurs qui nous avait fait des remarques, il y avait un des rapporteurs qui nous avait dit, mais il y a une variable qui manque dans votre modèle, c'est le dopage. Sauf que je n'ai pas de données, je n'ai pas une base de données sur le dopage. J'en ai sur le produit intérieur brut, la population et tout ce que vous voulez, les médailles, mais je ne peux pas savoir qui se dope. Et j'avais écrit trois pages en disant que c'était la variable manquante qui nous manquait le plus. Je regarde. La Chine, ils n'ont pas eu d'athlètes contrôlés positifs à Pékin. C'est strictement impossible pour au moins deux raisons. Les nageurs chinois sont dopés, on le sait, ils sont partout contrôlés, de, dopés, sauf aux Jeux olympiques de Pékin. Deuxièmement, euh, l'équipe de Chine est entraînée par des anciens entraîneurs de l'Allemagne de l'Est. Bon, il y a une présomption, pas d'innocence. Deuxième exemple. Euh, euh, monsieur Bolt, Hussein Bolt et son équipe, ils gagnent 11 médailles, nous on en prévoyait 3. Alors 3 c'était sans doute trop peu, mais 11 ça fait 4 fois plus. 15 jours après, deux coureurs de l'équipe jamaïcaine sont contrôlés positifs dans une autre épreuve. Présomption. Et puis, le cas de l'Angleterre, on observe que... Sur les 47 médailles anglaises, il y en a 12 ou 13 qui sont dans le cyclisme sur piste, qui est réputé un sport où le dopage a quand même sévi sérieusement par période. Donc, alors, on peut dire aussi, non, les Anglais préparaient déjà les Jeux de Londres, ils avaient une équipe musclée, bon, pourquoi pas. Mais ça ne vient pas des vélos, quoi, leur, leur victoire, leur concentration de victoire sur, sur les pistes cyclistes. Un autre écart, comme ça, dans l'autre sens, on a prévu trop de médailles pour la Russie et pour la plupart des pays de l'Est. Pas tous, mais. Et pourquoi Parce que là, ces pays subissent le choc de la transformation de leur système sportif, de sport d'État qu'il était il y a 30 ans, en sport d'économie de marché. Et ça, il y a des coûts de transition difficiles, ils sont obligés de changer de méthode d'entraînement, ils ont moins d'argent, et certainement on n'a pas assez pris en compte. Économiquement, les, les grandes manifestations sportives comme les Jeux olympiques, par exemple, sont euh, déficitaires. Souvent. Euh, souvent déficitaires. Euh, on peut prévoir que les prochains jeux le seront. À Londres, euh, oui. <laughs> Ils et, le et y, sont déjà. Et il y a une expression euh, anglaise qui parle de la malchance la de celui qui oui. remporte les Oui, la malédiction de celui qui porte les enchères. Voilà, alors, y, les économistes ne le disent qu'en anglais. Euh, Il y a une mathématisation et une anglicisation de l'économie, hein, et tout, de l'économie du sport. Donc le, winner, la, le Winner's Curse. Et voilà d'ailleurs le, le stade. Ou de, la, la malédiction Le stade de Du gagnant. Alors ça, ça vaut, comme vous l'avez souligné dans, dans votre question, ça vaut surtout pour les grands événements sportifs. Mais à la limite, euh, ça peut, ça peut s'appliquer même pour l'organisation d'un événement local. Mais ça ne prendra pas la même ampleur. Alors que, quelle est l'idée de cette malédiction du gagnant c'est que prenons le cas des Jeux, des Jeux Olympiques que, que vous avez pris euh, comme référence. Bon, les Jeux Olympiques, ils sont attribués, selon un système qui est le suivant, qui est connu. Le CIO dit en 2012, on veut organiser la prochaine Olympiade, tous les, tous les quatre ans, donc ça tombe en 2012. Qui est candidat Alors, avant. Euh, les années 70, à la question qui est candidat, il y avait une dizaine de villes qui se précipitaient en disant on veut organiser les Jeux. Bon. Et puis dans les années 80, ça a changé parce qu'il y a eu un grand désastre qui sont les Jeux de Montréal, qui ont eu un déficit record, un euh, milliard de dollars environ ou un peu plus. Et alors là, le nombre des candidats s'est réduit. Et en 1900, enfin pour les Jeux de, de 84, le CIO a dû, alors qui était attribué vers la fin des années 70, le CEO a dû supplier une ville qui s'avère être Los Angeles, d'accepter d'accueillir les, les Jeux. C'est la seule fois où le CEO a dû dire « S'il vous plaît, on veut une ville », parce que d'habitude, il y en avait plein, il y avait plein de concurrents. Los Angeles, ayant démontré qu'on pouvait ne pas être déficitaire, de nouveau, les candidatures le nombre des candidatures a augmenté, et donc... Aujourd'hui, il y a entre 5 et 10 villes selon les jeux, qu'il soit d'hiver, d'été, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe Le CEO dit, ah, vous êtes 5 ou 10 candidats. Bon, ben, vous avez jusqu'à telle date pour me présenter un projet. Et on prendra le meilleur. Bon, enfin, en tous les cas, les 100 et quelques membres du CEO voteront sur l'une des villes plutôt que les trois autres, ou les quatre, enfin, Londres contre Paris, par exemple, voilà, ou Madrid, et, mais au vu des projets. Alors il est parfaitement naturel et ça ça s'appelle un processus d'enchère. Ça ressemble à un processus d'enchère, c'est on dit pas on met pas au vote toutes les 30 secondes mais à la fin, il y a des gens qui vont voter en comparant la qualité des projets. Et donc les villes ont tout intérêt à présenter des projets qui apparaissent les plus, je dirais mirobolants ou mirifiques, c'est-à-dire les plus beaux jeux possibles parce que ça c'est ce que veut le CEO, les plus beaux jeux possible, mais depuis Montréal, les plus beaux jeux qui coûtent le moins cher possible. Donc il y a une emphase qui est mise dans les études préalables sur les bénéfices, les résultats positifs des jeux, la beauté, la qualité des jeux. Mais d'un autre côté, il y a une sous-estimation systématique des euh, coûts. Alors dans le cas de Londres, il est connu, comme c'est avéré, je peux le dire, c'est déjà médiatique, donc ce n'est pas un scoop. On n'avait pas compté le coût des paralympiques dans le dossier de Londres. Ah oui, mais les autres villes avaient mis les paralympiques. Ça coûte les paralympiques. C'est pas énorme, mais ça coûte. On n'avait pas compté la TVA, tiens, on avait oublié la TVA dans, dans le bilan des Jeux de Londres. Et Londres a gagné. Alors, je précise tout de suite, Londres n'a pas gagné, n'a pas remporté l'organisation des Jeux de 2012 uniquement pour des raisons économiques. Euh, Sébastien Co et d'autres membres du comité... De candidatures londoniens étaient des lobbyistes, plus compétents que les Français en matière de lobbying, etc. Il y avait d'autres choses. Mais ce que je viens de raconter sur Londres se répète de jeu en jeu. Et j'ai fait, euh, fait le recensement suivant, j'ai regardé la plupart des études, celles à laquelle je, auxquelles j'ai pu avoir accès. C'est toujours comme ça. Il y a une, une exception à la règle que je viens d'énoncer los angeles n'avait pas de concurrent donc los angeles n'a pas eu à surenchérir sur la qualité ou sur les coûts de son projet donc tout s'est bien passé ils n'ont pas gonflé le projet ils ont pu le réaliser tel qu'ils l'avaient annoncé par contre toutes les autres villes gonflent les projets gonflent dans le positif et déflatent si je puis dire le négatif et la ville qui l'obtient eh se retrouve dans la situation suivante elle a fait une grosse baudruche ah oui, mais maintenant la baudruche se dégonfle, il faut passer à la réalité. À Londres, la baudruche, c'est cinq fois plus que Voilà, c'était cinq fois plus beau que ça, ça ne va être Il n'y a pas que des coûts économiques, il y a aussi des coûts environnementaux, des effets sur ouais. la ville, c'est absolument dévastateur. Bien sûr, bien sûr. Et des coûts sociaux. Tout à fait. Alors, je, par exemple, le seul exemple, j'allais vous dire, il y a une seule étude qui a annoncé que les jeux seraient déficitaires. Elle concerne les Jeux d'Albertville 92. Elle a été l'œuvre d'une équipe d'universitaires lyonnais et grenoblois dont je faisais partie, que j'animais. Et on a annoncé un déficit. Notre étude a évidemment été boycottée par tous les médias. Mais après les Jeux, j'ai été appelé au ministère des Sports pour dire on a une ardoise de 250 millions de francs. Si vous avez des idées, on est preneur. Voilà. Donc, il y a eu un, un déficit de 250 millions. Là, nous sommes toujours dans le déficit économique. Économique. Parlons du déficit environnemental. Et ils, ils sont liés. Ils sont liés ah. Parce qu'une des raisons du déficit. Une des raisons du déficit d'Albertville, il y en a plusieurs, hein, mais l'une des, euh, des raisons, c'est notamment la piste de Bob Slack. La piste de Bob Slack s'est avérée à la fois coûteuse parce qu'elle passait dans le vide. Elle n'était pas tout, tout enterrée, elle passait sur des endroits dans le vide, au-dessus de la tête des spectateurs, ce qui n'était pas bien du point de vue de la, du spectaculaire, mais c'est difficile de refroidir un truc qui est tout le temps dans le vide. Et on a fait couler de l'ammoniaque pour refroidir la piste de Bob Sleg. ce qui est une folie écologique. Imaginez qu'il y ait eu une fuite, les spectateurs auraient reçu de l'ammoniaque, c'est écologiquement dément. Et deuxièmement, c'était très cher. Donc les deux sont liés. Et donc, ça amène, votre question amène à un raisonnement un peu plus loin, en poussant un peu plus loin le raisonnement des économistes. En fait, ce qu'il faudrait faire pour faire de bonnes études préalables à l'organisation des Jeux ou de la Coupe du Monde, c'est un recensement non seulement des coûts monétaires, mais des coûts non monétaires, dont la pollution à l'ammoniaque, etc., font partie ou la pollution urbaine, ou la destruction. Urbaine. On a détruit une partie du centre-ville de Pékin quand même pour mettre les jeux. Hein. Ce n'est pas rien d'un point de vue écologique. Donc il faudrait pouvoir, il faut prendre en compte les coûts monétaires et les coûts non monétaires tels que la pollution, les embouteillages, les destructions, les, 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 les gens qui sont déplacés, euh, déplacés dans, en périphérie de Pékin, etc. Il y, a, il y a des coûts non monétaires ou apparemment non monétaires de cela. Et pour les avantages, c'est la même chose. Les avantages, ce n'est pas seulement les recettes au guichet ou les droits de télévision. Bien sûr, ça ça tombe, c'est du côté positif du bilan. Mais euh, il est possible, ce n'est pas toujours certain, mais il est possible que certains des équipements sportifs bénéficieront à la population de Pékin, de Londres, etc. Et sur 25 ans, parce qu'ils ne sont construits pour durer 25 ans. Donc ça aussi, il euh, ne faut pas être que négatif, il y a aussi des aspects non monétaires qui sont des gains. Et pour faire ça, il y a une, un instrument qui est un peu technique, donc je, je n'ai pas développé sur la technique, qui s'appelle l'analyse coût-avantage ou avantage-coût, qui exige de prendre en compte tout. Alors, je vais juste vous donner un exemple de, de la difficulté de cette méthode c'est qu'il faut pouvoir mesurer en monnaie des choses qui ne sont pas en monnaie. Voilà. La pollution, ça n'est pas en monnaie. Euh, ou, ou, par exemple, vous, êtes, vous habitez euh, Londres. Euh, vous n'êtes absolument pas intéressé par les jeux, vous n'êtes pas intéressé par le sport, etc. Est-ce que, néanmoins, pour vous, ça a une valeur positive ou négative que la ville de Londres où vous habitez accueille les jeux Voilà. Ça, ça s'appelle, les économistes appellent ça dans, dans un jargon qui est le suivant la valeur de non-usage des jeux. Bon, les jeux ont une valeur d'usage pour ceux qui vont s'en servir, c'est-à-dire qui vont aller voir les épreuves, etc. Mais il y a des gens qui, à Londres, sont pas intéressés du tout par les jeux, mais peuvent estimer que c'est utile pour Londres, pour la réputation de Londres, pour ce que l'on veut, ou pour, pour eux-mêmes, que Londres accueille les jeux. Et alors, pour capter ça, c'est très difficile. On fait des, des analyses les économistes ont mis au point une méthode qui, qui s'appelle l'analyse du consentement à payer. cest on va prendre un échantillon de la population de Londres, qui ne sont pas sélectionnés comme étant des sportifs, plutôt des non-sportifs, des non et on va aller leur demander voilà, combien êtes-vous prêts à payer pour que Londres ait les Jeux Donc, quelqu'un qui n'a aucun intérêt ni dans le sport, ni, ni dans le fait que Londres ait les Jeux, pour quelque raison que ce soit, et dire moi je suis prêt à payer zéro. Voilà. Bon, ils payent zéro. Il euh, y a même des, des vachards qui disent moi je suis prêt à payer pour que Londres ne les ait pas Alors, ça, parce qu'on va avoir des embouteillages, des machins. Bon. Et puis, la plupart des gens disent, ah oui, ça serait quand même bien pour Londres de l'avoir, donc je suis prêt à payer 5, 5 livres sterling ou 12, etc. Mais évidemment, il y a un biais. C'est une méthode, elle est intéressante, puisqu'elle permet de révéler ce que les gens qui ne sont pas directement impliqués dans l'événement sont, sont prêts à payer. Mais il y, a, il y a un biais, il y a une hypothèse derrière ça, c'est que les gens vont faire des, euh, des réponses vraies. Ils ne vont pas avoir un comportement stratégique. Or, en fait, les gens que vous interrogez vont être tentés d'avoir un comportement stratégique parce que ils vont se dire si je réponds que je suis prêt à payer 5 livres sterling, le maire de Londres, paf, il va nous foutre une taxe de 5 livres sterling. Donc, j'ai intérêt à répondre moins je vais répondre 2 seulement, ou même 0, alors qu'en fait, je devrais répondre 5. Alors, pour cette raison, après, on donne des questionnaires où on leur donne des intervalles entre 5 et 10, enfin, on essaye de, de canaliser cette difficulté, mais il y a une difficulté. Mais néanmoins, la méthode est intéressante. Il y a le marché des produits dérivés, par exemple, du sport, C'est pas la même chose, que ce soit les émissions de télévision, le sponsoring, les paris sportifs, Alors, le travail économique, etc. Qu'est-ce qu'il nous apprend Alors, d'abord, produits dérivés, en effet, pendant très longtemps, comme je vous le disais tout à l'heure, le produit principal, c'était... Le, le, le match consommé dans le stade ou l'épreuve sportive dans un site aménagé. Voilà. Maintenant, on peut se demander quel est le vrai produit dérivé aujourd'hui, parce que les recettes de la télévision sont plus grandes que les recettes au guichet. Donc, l'ancien produit principal est, est en position de, de dérive, si je puis dire. Euh, mais restons dans, dans, dans l'appellation classique. Donc, le, le, un premier produit dérivé, c'est je peux dériver de la, de la tenue d'un match de foot, je peux dériver d'autres produits que le seul fait d'asseoir des gens sur des sièges dans le stade. Voilà. Alors le principal, le, le, en termes de chiffre d'affaires, c'est la télé. Et alors là, euh, on, les économistes ont mis un certain temps à bien décortiquer cette question, parce que euh, ce produit dérivé met en fonction deux marchés, enfin, ou deux types de marchés. Il y a d'abord ce qu'on appelle le marché des émissions sportives. C'est un marché sur laquelle, la, lequel pardon, la demande émane de ce que je vais appeler... Euh, les consommateurs, mais qui, en, plus précisément, sont les téléspectateurs. Il y a des téléspectateurs qui aiment voir du sport, puis il y en a d'autres qui préfèrent le, des films ou des émissions politiques. Voilà. Bon. Donc, euh, là, il y a une demande, et on peut mesurer la demande des téléspectateurs pour le sport par le, les taux d'audience que le sport réalise à la télé. Alors, qu'est-ce que c'est le taux d'audience sur euh, 10 émissions qui, sont, qui se déroulent simultanément, quel est le pourcentage que prend l'émission de sport Voilà. Donc, ça, ça c'est un révélateur de, de l'ampleur de la demande. Et puis, du côté de l'offre, qui offre sur ce marché-là des images en mouvement sur un écran de télévision Ce sont des chaînes de télévision. Ce sont des chaînes de télévision présentes sur le dont, <laughs> qui, qui poussent parfois la sophistication jusqu'à être présent sur les équipements comme ici ou à être propriétaires de clubs. Par exemple, Canal Plus a été un temps propriétaire du Paris Saint-Germain ou aujourd'hui encore M6 est propriétaire euh, du, des Girondins de Bordeaux. Euh, et c'est une stratégie qui se comprend du point de vue d'une chaîne parce qu'elle elle capte sa source d'approvisionnement en images. Hein, si, si je contrôle les girondins de Bordeaux, bah, j'ai automatiquement les images des girondins de Bordeaux. Hein, si je suis M6, voilà. Donc ça c'est un, un premier marché. Et puis il y a un second marché qui est le marché des retransmissions sportives. Euh, mais sachez que la plupart des émissions sportives, euh, entre 75 et 85 des émissions sportives sont des retransmissions. Mais le marché de la, des retransmissions, il ne met pas en jeu les téléspectateurs. Il met en jeu d'un côté les chaînes de télévision qui demandent des événements à retransmettre, Roland Garros, que sais-je. Et puis, euh, de l'autre côté, il y a des organisateurs de spectacles sportifs qui proposent leurs matchs de foot, leurs tournois de tennis à retransmettre. Et pour cela, ils demandent qu'on leur paye des droits de retransmission, qui vient tout simplement je vous donne le droit à vous, chaîne de télévision, de retransmettre, mais vous, vous me donnez un peu d'argent. Bien sûr. Et il y a les articles de sport aussi dans les, dans les produits dérivés. Alors les produits, euh, je ne les appellerai peut-être pas dérivés, mais peu importe l'appellation. Ils dérivent bien, d'une certaine façon, ils dérivent bien du fait qu'il y a des gens qui pratiquent du sport. Pas du fait qu'ils le regardent, mais du fait qu'ils pratiquent. Alors soit au niveau, comme sur l'image, soit les pratiquants dont on parlait tout à l'heure sur le marché pratique. Et donc là, il y a aussi une demande de la part des ménages. Euh, qui est une demande assez curieuse pour un économiste parce que c'est une demande très très différenciée. Vous n'allez pas prendre le même article de sport pour faire du ski ou pour jouer au tennis. Euh, D'un autre côté c'est une demande assez versatile. Euh, chaque année les chiffres d'affaires ne, ne croissent pas nécessairement pour tout, de manière homothétique pour tous, les, pour tous les articles de sport car en effet il y, y a des phénomènes de mode. Il y a des moments où le, je sais pas quoi le judo est à la mode, d'autres moments c'est le tennis, d'autres moments c'est le ski, et, et donc c'est une demande assez peu prévisible, et, et, et ça, ça pose beaucoup de problèmes du côté de l'offre aux firmes, bon pas aux grandes firmes, Adidas, Nike, etc., couvrant des parts énormes du marché mondial ou national, ne sont pas trop gênés par cette, ces fluctuations. Du marché. Mais euh, pour beaucoup de produits très spécialisés, c'est un problème. C'est un problème. Si, euh, je ne sais pas quoi, le parapente est à la mode, bah, il faut produire plus de parapentes. Mais les parapentes, ce n'est pas des millions de parapentes qu'on produit par an. Donc il faut que les firmes s'adaptent à l'ampleur de la demande. Et puis imaginons que du jour au lendemain, le parapente soit. Alors ça a été le cas un peu du ski. Le ski, le marché du ski dans, au début des années 90, du ski classique à. Euh, comme, on, comme vous en avez peut-être fait, hein. en tous les cas comme moi j'en ai fait, il euh, y a une chute des ventes considérable en raison de deux autres produits qui sont apparus sur euh, sur euh, le marché. D'abord le snowboard qui, qui a pris toute une partie du marché. Alors les ventes des snowboards à grimpé énormément, mais les ventes de ski ont diminué. Et puis après le ski parabolique qui a peu à peu remplacé le ski classique. Voilà. Donc euh, même pour un produit dont le marché est assez grand, comme le ski. C'est un peu imprévisible parce qu'il y a les effets de mode, il y a les innovations. Et alors une autre caractéristique de ce marché des articles de sport, c'est que c'est un oligopole, c'est-à-dire le, le nombre des concurrents, notamment au niveau mondial, n'est pas très grand. Ça met en jeu des modalités de concurrence différentes, parce que la concurrence classiquement pour un économiste et même pour le citoyen, c'est quelque chose qui joue sur les quantités et les prix. On va baisser ou augmenter les prix, on va en vendre plus ou moins. Voilà, bon. Or, dans les oligopoles, la concurrence, elle est différente. C'est une concurrence qui ne passe pas par les prix, justement. Les, bon, dans un marché qui serait concurrentiel, si je veux vous piquer une part de votre marché, qu'est-ce que je fais Je baisse mes prix. Les, les gens viendront m'acheter mes chaussures à moi et pas vos chaussures à vous. Voilà, ça c'est la concurrence, selon l'entendement standard. Mais les marchés des articles de sport ne sont pas standards, ils sont oligopolistiques. Oligo, ça veut dire peu, peu nombreux, peu nombreux du côté de l'offre. Monopole, le... il n'y en a qu'un. Oligo »,« Oligopole, ils sont peu, peu nombreux. Ils sont plusieurs, mais peu nombreux. Alors, ils se font pas de, de, de concurrence par les prix. Parce que imaginez qu'Adidas baisse le prix de ses chaussures. Que va faire Nike, Nike Les stratèges de Nike vont dire attendez, Adidas, là, il, il baisse ses prix c'est pour nous piquer une part de notre marché. Qu'est-ce qu'on fait ben, On baisse les prix immédiatement. Et comme ils nous ont attaqués, on va même les baisser davantage que n'a fait Adidas initialement. Ça, en économie, ça s'appelle une guerre de prix ou une guerre des prix. Et la théorie économique démontre que l'issue de la guerre des prix, c'est la disparition successive des concurrents. Et à la fin, on arrive soit à un duopole, il n'en reste plus que deux, soit même à un monopole. C'est celui qui avait les coûts les plus faibles qui a pu encaisser toutes les baisses de prix. Les autres ont fait faillite et lui, il reste tout seul. Et comme il y a des économistes qui travaillent chez Adidas, chez Nike, ils savent que pour... c'est très dangereux. On pas... ne va pas toucher au prix. D'ailleurs, les prix des articles de sport ne baissent jamais, ils augmentent. Les armes de la concurrence, c'est autre chose. C'est la différenciation des produits. Alors ça, on fait beaucoup de pubs. Moi, mes skis ils sont plus beaux que les vôtres parce qu'ils sont... ils ont une couleur huile d'olive et ils sont vernis. Ah, super Bon, en fait il ski comme les autres mais différenciation du produit, diversification de la production je vois que le marché du ski s'effondre. je suis Rossignol, je passe aux raquettes, je me mets à produire des raquettes. innovation. donc je change les matériaux de mes produits je fais et il y a un type d'innovation très très particulier euh, dans le sport et je dois cette idée à un sociologue donc je lui rends hommage c'est Pocellello que je citais tout à l'heure question Pocellello. Pocellello avait remarqué, que on crée des produits pour euphémiser les pratiques sportives. Et donc, moi, j'en ai déduit la notion d'innovation, de d'euphémisation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce barbarisme apparent Probablement pas pour un philosophe, mais le citoyen moyen ne parle pas d'euphémisation tous les jours. Eh bien, c'est de rendre l'effort sportif beaucoup plus accessible à des gens pour qui il est difficile. Donc, par exemple, vous voulez faire apprendre. Euh, vous voulez enseigner à faire du ski à quelqu'un, si vous lui mettez des skis de 2 mètres de long, il, il va être très mal. Si vous lui mettez des skis qui sont longs comme des patins, il ne va pas tomber très souvent. C'est une euphémisation du ski, le petit ski court. Le casque, c'est une euphémisation. Le casque de cycliste, c'est une euphémisation. Parce que je ne veux pas envoyer mon enfant faire du vélo s'il n'y a pas tant qu'il n'y avait pas de casque. Ah, maintenant, on met des casques, bon, il peut aller faire du vélo. S'il tombe, il ne sera pas une fracture du crâne. Il aura peut-être quelques bobos, mais voilà. Donc, des, des innovations qui permettent de rendre le sport plus accessible aux gens âgés. La raquette grand ami, on rate moins, moins la balle avec une raquette grand ami, etc. Voilà. Et puis, surtout, la, la, la dernière stratégie qu'ont les, 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 les firmes en oligopole, c'est d'envahir les marchés étrangers. Donc c'est le commerce international de l'article de sport, et de l'envahir éventuellement par deux autres stratégies, l'investissement direct à l'étranger, je construis une usine de, de production de chaussures au Brésil, ou je ne sais quoi, et surtout la sous-traitance internationale où Nike, alors là c'est pas Nike, c'est Puma, mais Puma a, a été depuis lors absorbée par Nike, je crois, donc euh, Nike reste l'actualité, Nike est la firme emblématique pour avoir fait de la sous-traitance internationale. C'est-à-dire de faire produire pratiquement 90% de ses articles de sport en Asie. Ils ne produisent presque plus rien aux États-Unis. Aux États-Unis, Nike est une firme financière et commerciale, principalement. Et elle a délocalisé, comme on dit aujourd'hui, elle a délocalisé toute sa production, non pas en créant des usines à l'étranger, mais en passant des contrats de sous-traitance avec des producteurs chinois, indonésiens, pakistanais. Et puis les, les grands sportifs portent les marques. Hein. Ils sont à, attachés à des marques. Ils en sur la promotion à l'occasion. On revient euh, sur les, re, les retransmissions télévisées, etc. Seulement. Et la marque doit être vue. Alors évidemment, il euh, y a un lien entre ce que vous suggérez, qui est le sponsoring euh, ou la publicité, mais dans le sport, c'est la, la modalité, ça va le sponsoring et la télévision, puisque si euh, si je suis sûr que le match n'est pas télévisé. Je suis dans les années 50, le match il se déroule dans le stade, il y aura en au plus 20 000 personnes qui vont regarder pour, pour éventuellement voir ma marque. Il me suffit de mettre des panneaux publicitaires statiques. Ils sont dans le stade, tout le monde les voit, hein, tout le temps. Si c'est retransmis par la télé, le panneau publicitaire statique, il a un gros inconvénient, c'est qu'il n'est pas tout le temps dans le champ des caméras. Il n'est dans le champ des caméras que quand l'action de jeu passe devant ce panneau publicitaire. Et donc, on a intérêt à avoir un élément mobile sur le terrain qui peut être suivi par la caméra tout le temps. Et ce, cet élément mobile, bah, c'est le sportif. Il a des chaussettes, il a des t-shirts, et on peut lui coller des marques dessus. Et c'est ça euh, l'essence du sponsoring euh, en français, euh, qui est en fait un contrat par lequel euh, un... Euh, une firme qui s'est adressée à un, annonce, à un annonceur publicitaire demande des images. Donc, l'annonceur publicitaire va aller voir un sportif ou un, un club et va lui demander des images euh, sur lesquelles il y aurait l'emblème de la firme. Donc, on va mettre l'emblème le, sur le t-shirt. Alors, au début, qui a fait ça Ce sont les industriels des articles de sport, bien évidemment, puisqu'ils étaient directement intéressés à vendre des chaussettes, des chaussures, etc. Mais très vite, ça s'est répandu. Toutes les industries, aujourd'hui, sponsorisent des sports. Et, et donc, ça pose quelques, il y a quelques problèmes derrière le sponsoring. Donc, l'intérêt, c'est ça c'est si je veux que ma marque soit vue ou mon produit soit vu par des millions, voire des milliards de spectateurs je fais du sponsoring et je passe à la télé. Et après, je compare que je suis passé tant de minutes à la télé parce que mon champion s'y produisait. Ça me coûte beaucoup moins cher que si j'avais dû payer les droits de télévision à une chaîne de télé. Oui, c'est du gagnant pour la firme. Et en plus, elle est, elle est vue par des milliards de gens. Et, et, mais il y, y a un ou deux problèmes. Le premier problème, c'est l'adéquation entre euh, l'image sportive et le produit qu'on veut vendre. Imaginez que euh, je veuille euh, euh, vendre euh, une, une marque. Euh, je suis un constructeur automobile, je vends des voitures polluantes. Bon, je vais pas prendre un sport euh, de pleine nature. Ça, ça, ça va pas le faire très bien, quoi. Ça s'emboîte pas terriblement. Ou je suis un producteur de vin. Je ne vais pas prendre quelque chose qui est un sport aquatique. C'est de l'eau. Alors, bon, de toute façon, la publicité pour le vin et les alcools sont interdits. Mais, mais voilà. Donc, il y a un problème d'adéquation entre le produit et l'image sportive qu'on essaie de lui associer. C'est plus ou moins crédible. Bon, il y a un autre problème, mais qui est mineur, qui est l'engagement des sportifs. Quand, quand je, je suis sponsorisé, je m'engage à porter l'image du sportif. Alors, c'est pour ça que. Lorsqu'une équipe nationale gagne, euh, gagne parfois un tournoi avec un autre sponsor que celui de mon club, je me drape dans le drapeau américain pour qu'on voit que mon sponsor privé n'est pas le sponsor de l'équipe nationale. Bon, des choses comme ça. Et puis, le, le grand, grand problème du, du sponsoring, c'est un problème très connu euh, des économistes qu'on appelle le problème du passager clandestin ou free rider en, en anglais. Il y a des gens qui essayent de profiter de choses sans payer. Par exemple, je sais que le train arrive à telle heure, je prends pas de billet, mais je monte dedans. Je suis un passager clandestin. Voilà, ça vient de là. L'idée vient de là. Or, dans le sponsoring, l'idée, elle se transcrit de la façon suivante. Il y a un sponsor officiel des jeux. Exemple, Nike, il a payé 30 millions pour les jeux de 1996. Voilà. Okay. Avant le départ du 100 mètres des jeux de 1996, il y a Limford-Christie. Qui est un sprinter anglais qui, qui va d'ailleurs gagner je crois la finale qui accepte de donner une interview rémunérée évidemment et il arrive à l'interview avec des lentilles de contact au lieu de lunettes avec des lentilles de contact dans lesquelles on voit incrusté sur la lentille l'emblème de Puma concurrent de Nike Puma il a payé zéro il passe à l'écran, à la télévision, des jeux de 96, alors que Nike se, se ronge les sangs parce qu'ils ont payé 30 millions, ils y passent pas. Voilà. Ce phénomène, cette stratégie de Puma dans, dans ce cas-là avec limford Christie, s'appelle ambush marketing, marketing d'embuscade. Enfin, c'est du piratage, quoi. Et en économie, ça s'appelle un problème de passagers clandestins. Voilà on peut peut-être envisager maintenant plus particulièrement la question du sport professionnel. Rappelons que le sport professionnel, ça ne représente à peu près que 10% des, des sportifs, mais ça mobilise l'essentiel du temps médiatique. Oui, il y, y a vraiment un clivage entre les deux. Euh, bon, L'économie du sport, massivement, ce sont des non-professionnels, euh, mais euh, en concentrant parfois même moins de 10% d'individus. Euh, le sport professionnel attire beaucoup d'argent et, et surtout n'attire pas le, le même argent, si je puis dire. Euh, le sport professionnel n'est pas subventionné par des fonds publics, fort heureusement, ou il l'est rarement. Par contre, il attire des capitaux privés, des gens qui cherchent de la rentabilité, et on peut en trouver dans, dans le sport professionnel, y compris parce que c'est un des rares secteurs d'activité économique où il y a des gens qui acceptent de travailler sans être payés. Il y a des bénévoles et ça bénéficie, y compris. Euh, C'est fait pour développer le sport amateur, mais ça, ça, ça sert aussi à rentabiliser le sport quand on le vend. Et le sport euh, professionnel est, est financé donc essentiellement aussi par les médias, voire par l'État, alors que le sport amateur est financé par les ménages. On a dit un mot tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Euh, les, sources, enfin, les, les sources de financement sont asymétriques, on peut le dire comme ça. Qui est intéressé par. Euh, euh, le sport professionnel, et je dirais plus largement de haut niveau, parce que la différence est, est ténue, les entreprises, bien entendu, concentrent leur financement là-dessus, et puis euh, l'État aussi, et on revient un peu à gagner des médailles. L'État, il est intéressé à gagner des médailles, il est donc intéressé à mettre des fonds dans la préparation des sportifs pour qu'ils parviennent à le faire. Mais est-ce n'y a pas une, une disproportion entre euh, l'argent investi euh, et cette part de sportifs concernés euh, Est-ce qu'il n'y a Bien pas sûr. une disproportion Bien hein, sûr, entre... si on... ouais. je ne crois pas qu'un économiste ait fait ça à ce jour, mais si on regardait, le, si on essayait de faire un calcul du montant d'euros par tête de sportifs attirés dans le sport pro et attirés dans le sport euh, autre, il y aurait une différence gigantesque. Personne ne l'a jamais fait comme ça. On peut voir un petit peu cette différence dans une très vieille étude que j'ai faite en 80, où je m'étais aperçu que euh, le, dans le budget des sports du ministère, euh, euh, il y avait beaucoup plus d'argent qui allait vers les, les fédérations olympiques que vers les non olympiques, par exemple, par tête de, de sportifs. Donc en effet, l'État a cette stratégie, et je pense que les firmes privées, bien plus encore. Surtout quand on compare euh, d'autres activités entre guillemets culturelles, par exemple les arts, ne bénéficient pas euh, de ces avantages considérables, de ces mobilisations d'argent considérables. Oui, alors je serais peut-être un peu moins pessimiste. Ça Le septième art attire quand même encore pas mal euh, d'argent et de monde. Mais euh, une petite comparaison à ce sujet, euh, par exemple, euh, qu'est-ce qui fait que euh, que le sport professionnel, notamment, attire comme ça beaucoup d'intérêt et d'argent, c'est que ça ressemble à un film, mais dont le scénario n'est pas écrit. Et le scénario peut être... Tout peut arriver, disons. Entre le, la première minute d'un match et la fin d'un match, tout peut arriver. Et c'est ça qui, qui rend euh, ce spectacle tellement attractif et, et, et que l'on peut gagner tellement d'argent là-dessus. Hein, habituellement on traduit ça par la glorieuse incertitude du sport enfin voilà le scénario n'est pas écrit mais c'est vrai par exemple que je j'ai pas la formation euh, des, des jeunes pianistes euh, des jeunes violonistes euh, euh, si on fait oui. une comparaison euh, oui oui alors euh, sans là, vouloir tout confondre certainement la, la formation d'un pianiste est certainement plus longue et plus coûteuse certainement plus coûteuse que celle d'un footballeur professionnel encore que maintenant on met en place des des mécanismes de formation un peu plus coûteux et plus organisés. Mais vous avez des, des joueurs de football qui spontanément sont très doués, il n'y a pas besoin de les former très, de façon énorme. Et néanmoins, ils vont à la fin du compte euh, devenir plus célèbres que le pianiste et surtout gagner beaucoup plus d'argent que, euh, que le pianiste, puisque l'on sait qu'aujourd'hui, dans les gens les mieux payés, par exemple en France, il y a des PDG, des superstars du sport et puis quelques artistes de cinéma. Et l'économiste, alors dans, quand, il, quand il prend en, en, en vue cette, cette situation, c'est-à-dire euh, cette disproportion au fond des investissements d'État dans quelques activités phares oui, euh, football, au dépens, au oui. football, <laughs> dépens éventuellement du développement de la pratique sportive d'ailleurs plus générale pour, le, oui. pour tout le monde, et, et pour les autres activités culturelles, est-ce que ça, y... euh, disons que c'est un problème qui, bon, qui sensibilise l'économiste plus ou moins selon qu'il est plus ou moins citoyen et ça, mais je dirais c'est surtout un problème politique. C'est vraiment un choix de, de politique générale, de politique économique pour un gouvernement. Combien je vais mettre plutôt sur le cinéma, euh, la peinture ou sur le sport Or, de ce point de vue, malgré tout, le budget des sports il est très très petit. Hein. Il est très très petit. Il n'a pas mangé le, le budget des autres. Mais. Et ce, ce budget, la, la part, dans ce budget, la part d'événements comme, je ne sais pas, par exemple, la participation de, de la France aux Jeux Olympiques ou des choses de ce genre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un, un déséquilibre, au fond, extrêmement, à la fois inquiétant et dangereux Et surtout le fait que. Y a-t-il en France un homme politique qui se permettrait de, de, de contester ou de remettre en cause cette, cette vision Certainement pas, certainement pas. Euh, juste deux choses pour, pour répondre brièvement à la question. Dans, dans plusieurs études, on, on a montré, y compris dans, dans les, les miennes, qu'il y avait une très bonne corrélation entre euh, l'argent euh, affecté euh, au sport par l'État, parce que l'État peut l'affecter je sais pas quoi, au sport de masse, etc. Et puis aussi au sport de haut niveau. Donc il y a une très forte corrélation entre l'importance des, des fonds affectés au sport de haut niveau et le nombre de médailles olympiques gagnées, par exemple. Donc, ça montre bien que l'État a cette préoccupation. Et puis alors une deuxième, pour répondre à l'autre aspect de votre question, y a-t-il un homme politique qui aurait le courage de changer un peu cet état de choses euh, J'ai le pessimisme de penser que non. Euh, je, juste une anecdote. Alors c'était pas en Europe, c'était en Afrique. Mais l'UNESCO m'a un jour demandé de faire une conférence devant les ministres africains des sports en 1992, et j'ai suggéré que pour développer le sport en Afrique, les ministres en question auraient mieux fait de mettre plus d'argent dans, dans le sport pour tous, pour le dire brièvement, et dans les équipements sportifs pour tous, plutôt que dans la recherche de gains de performance dans les compétitions internationales. 50 ministres ont pris la parole sur le thème. Comment un représentant du pays de Pierre de Coubertin est-il capable de nous faire une telle suggestion Voilà, donc. Euh et on utilisera éventuellement même Pierre de Courbertin pour maintenir des tas de choses ambiants. L'économie du sport, c'est une économie appliquée. Et vous aimez dire que le sol... Concept théorique hein, qui est produit cette économie appliquée, c'est celui d'équilibre compétitif hein, et non d'équilibre économique. Vous pourriez nous, nous, nous expliquer Oui, alors, ça tout à fait. Les premiers modèles américains qui se sont développés en économie du sport ont, ont démontré mathématiquement, ce que je ne ferai pas ici, que l'équilibre économique, c'est-à-dire la situation qui correspond au profit maximum pour la ligue et pour les clubs n'est pas mathématiquement le même point que celui qui correspond à un équilibre de la compétition, c'est-à-dire à un équilibre entre les forces sportives des différentes équipes. Et ça, c'est une sorte de dilemme. C'est un peu ennuyeux pour les économistes d'avoir trouvé ce résultat. Pourquoi Parce que, en même temps, les économistes pensaient, et comme beaucoup de gens d'ailleurs, pas seulement les économistes, que plus la compétition est équilibrée, plus elle est incertaine. Plus il y a de suspense et plus ça va attirer de spectateurs. Et, et donc la théorie économique, à la fois, crée un concept intéressant, mais était un peu mise en difficulté. Alors quel est le moyen d'en sortir Eh bien, les Américains, qui sont pourtant plutôt des économistes libéraux, ont dit, ah ben oui, il y a une solution, c'est la régulation. On va réguler, on ne va pas laisser tout aux forces du marché, parce que si on laisse la compétition sportive aux forces du marché... On aura le maximum de profit. Illustrons cette image. C'est un, un match de la Nouvelle-Zélande, particulièrement déséquilibré contre le Japon, ça, je crois, <laughs> oui. avec un, un, un score 83-7. Euh, hein, voilà l'illustration voilà. voilà, de la se, limite du modèle. Voilà, et, on peut, et on peut se poser la question qui est intéressé par un match gagné par 80 points à 3 points quoi, ou quelque chose de ce genre L'écart des, des forces sportives est tel que ça ne devrait pas attirer des spectateurs si nombreux. Alors voilà, donc on a ça. Alors pour combler ce, cet écart entre ce qui serait équilibré d'un point de vue sportif et ce qui rapporte le plus d'argent, c'est un équilibre économique. Les Américains ont décidé, dans leur sport professionnel, de réguler la Ligue, l'activité de la Ligue. C'est-à-dire, à la limite, de planifier. J'ai écrit un article quelque part disant que le sport américain est le seul secteur économique aux États-Unis qui est quasiment socialiste. Pourquoi? Parce que, pour rééquilibrer les forces entre les équipes, il y a un système de redistribution de toutes les recettes entre les équipes. Donc, par exemple, les, les droits de télévision, mais aussi les recettes au guichet, tout ça est partagé entre les équipes. Et ensuite, il y a des règles terriblement contraignantes, sur l'embauche. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la rookie draft. C'est-à-dire, tout nouveau joueur entrant dans la Major League Baseball est mis sur une liste. Il est classé d'après ses mérites sportifs sur une liste. Et les clubs vont, sont obligés de, le, de choisir les joueurs qui sont sur cette liste dans l'ordre inverse de leur classement en championnat l'année dernière. Pourquoi Parce que, ce faisant, le club qui a fini dernier, il va choisir en premier, il va prendre le meilleur joueur de la liste le club qui était avant-dernier choisira le deuxième joueur meilleur sur la liste. Et quand le champion de l'an dernier viendra choisir, il lui restera les plus mauvais joueurs, enfin, ou les, ou les moins bons. Voilà, ça doit rééquilibrer les forces sportives. Pour la même raison, on a inventé dans les ligues nord-américaines le, la fameuse salary cap, c'est-à-dire le plafonnement salarial. Pourquoi on va plafonner la masse salariale des clubs pour que les plus riches ne puissent pas attirer tous les meilleurs joueurs en promettant les salaires les plus élevés. Donc, ça doit contribuer à rééquilibrer. On a inventé la luxury tax. C'est-à-dire, les, les, les clubs qui dépensent trop en salaire sont finalement taxés et le produit de cette taxe est redistribué aux clubs qui, eux, ont des masses salariales plus faibles. Si vous prenez par exemple, je sais pas, le championnat de la Ligue anglaise, euh, le, la compétition existe-t-elle encore Voilà, le, alors. Le, le concept d'équilibre compétitif euh, n'est-il pas que. Il purement, est remis en question oui, assez régulièrement. Il est opératoire. À, 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 oui, oui. Et, et alors là, c'est une comparaison qui est très très intéressante sur le point que vous indiquez. C'est que les ligues européennes, y compris anglaises, étaient beaucoup plus régulées naguère qu'elles ne le sont depuis 1995. Par exemple, en matière d'embauche, il y avait une régulation euh, très forte euh, qui, qui a été cassée par l'arrêt Bosman. Mais on ne pouvait pas, par exemple, aligner le nombre que l'on voulait de joueurs étrangers sur le terrain. C'était seulement 3 plus, plus 2, etc. Il est à l'image. Ah, voilà, à Bosman. Oui, Et donc, avant cet arrêt Bosman, les ligues européennes... Peut-être préciser de quoi il s'agit. Oui, alors oui. l'arrêt Bosman, c'est ce joueur qui voulait quitter un club belge pour revenir jouer à Dunkerque. Et il a été victime de ce qu'on appelle une clause de réserve ou un système de transfert et de réserve. Le, le club peut empêcher le joueur de, de partir euh, si, et, et lui proposer de jouer un salaire défini par le club. Et Bosman trouvait que ce salaire qui était proche du SMIC était insuffisant. Il voulait partir à Dunkerque. Et le club euh, belge s'y étant opposé, Bosman s'est porté devant une cour de justice et il a dit c'est contraire. Euh, aux règles européennes sur la liberté de circulation des travailleurs. Après des rebondissements divers et variés, en 1995, la Cour de justice européenne a tranché en décembre 1995, Bosman avait raison, on, on avait en... il y avait une infraction du sport vis-à-vis -vis de cette règle européenne. Et donc, depuis, il y a une jurisprudence Bosman, si un club cherche à empêcher un joueur de bouger, euh, il, il est dans l'illégalité, il sait qu'on va lui appliquer la jurisprudence Bosman, donc en fait aucun club ne le fait plus. Et donc il y a une libre mobilité des joueurs, donc l'effet de l'arrêt Bosman, il, il y en a deux, c'est bon, la dérégulation des ligues européennes comparées aux ligues européen, euh, américaines dont je parlais tout à l'heure, c'est beaucoup moins régulé, en particulier sur l'emploi, et deuxièmement, c'est une mobilité des joueurs beaucoup plus grande. Les joueurs américains bougent entre le Canada et les États-Unis, hein, grosso modo, et Porto Rico éventuellement, hein, mais voilà, pas plus loin. Alors que il y a un marché mondial des footballeurs, depuis l'arrêt Bosman, ou des basketteurs d'ailleurs, plus ou moins. Et, et puis, l'autre chose, c'est un impact sur les salaires. On a parfois des économistes, certains économistes ont parfois écrit que l'arrêt Bosman a eu comme conséquence l'inflation des salaires. Ça n'est pas tout à fait exact, c'est en partie exact. Ça a permis en effet, aux joueurs les plus talentueux, de jouer sur la concurrence entre les clubs de tous les pays du monde. Et pour les superstars, l'arrêt Bosman s'est traduit par une hausse des salaires, mais pour eux seulement. Ce qui semblerait assez banal de dire que le sport est à l'image de, de nos sociétés et de des valeurs entre guillemets ou des pratiques de nos sociétés. Mais on peut se demander, c'est une remarque que, que faisait Michel Serre d'ailleurs, si les sociétés ne finissent pas par intégrer euh, les valeurs du sport et de ce sport-là, c'est-à-dire euh, ce sport investi à la fois par l'idéologie du qui va gagner, Absolument. mais ce qui va gagner est assez biaisé, puisque, au fond, la, la compétition euh, n'est pas véritablement euh, euh, libre, entre guillemets, plus euh, l'argent qui, euh, qui, qui entre en jeu. Bien sûr. Alors, un des effets indirects de, de, de l'arrêt Bosman et d'autres dérégulations, c'est qu'en effet, il y a une concentration des richesses sur quelques clubs qui sont capables d'acheter les meilleurs talents ou les meilleurs joueurs, et qui de ce fait vont gagner les compétitions. Gagnant les compétitions, ils vont gagner beaucoup d'argent, et ils vont pouvoir repartir dans une course aux armements pour avoir les meilleurs joueurs. Donc il y a une sorte de cercle vicieux, vertueux pour eux, mais qui est un cercle vicieux pour ceux qui ne peuvent pas y participer. C'est le fait que, que les valeurs du sport, oui, finalement, a, sont réintégrées par la société. Oui, oui, il, se, il, se, il y a une sorte d'homologie, en effet, aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est le mot qu'aurait utilisé Michel Serres, mais entre la société et le sport, il y a à la fois la méritocratie qui s'est développée un peu partout. Or, le sport, surtout professionnel, est assez méritocratique. Euh, il y a la concentration des gains. Euh, par exemple, il y a eu un livre d'économie aux États-Unis qui a été écrit sous le titre The Winner Take All. C'est-à-dire le vainqueur gagne tout. Et le sport fonctionne dans cette logique. On essaye d'être le vainqueur. Pourquoi Parce qu'on ne gagnera pas tout, mais on gagnera la, la part la plus substantielle. Il faut être qualifié en Champions League parce qu'on va gagner beaucoup d'argent. Et euh, la société fonctionne comme ça. La crise financière dans laquelle on est résulte également du fait que les banques, les traders, les spéculateurs sont des gens qui fonctionnent au winner-take-all. Je, je dois gagner mon pari. Sur la, le cours de l'euro, où je dois gagner mon pari sur les prêts aux ménages américains pour qu'ils s'achètent des logements, et je vais moins m'enrichir, quoi qu'il arrive par ailleurs. Et c'est une logique, euh, pour certains économistes dont je fais partie, qui est un peu désastreuse. Enfin, je veux dire, ça ne donne pas une vue de notre société et de son avenir qui soit très, très prometteuse, disons. En se plaçant au plan du, du sport professionnel, euh, la division internationale euh, du travail, euh, les termes, je ne sais pas, les concepts d'exploitation, toute une, une, une logique, finalement, économique et sociale, euh, qui est à prendre en vue, tout de même, quand on est un, un économiste, ou même quand on est une, une approche socio-économique. Oui, oui, tout à fait. Et euh, je réagis avec deux points très précis. Euh, les économistes ont tendance, en tous les cas, les économistes du courant dominant, je, dans lequel je ne m'inscris pas, mais sur ce point, on peut les reprendre, euh, il mesure la productivité des joueurs, c'est-à-dire combien de buts ils marquent, combien de spectateurs ils attirent, etc. Et il compare ça au salaire. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas toujours une égalité entre le salaire et la productivité d'un joueur. Les Superstars gagnent beaucoup plus que leur productivité. On a parlé de Beckham au Paris SG, il aurait eu une productivité dérisoire, il aurait eu un salaire maximal. Euh, donc lui, il n'est pas exploité. Mais il y a le cas inverse. Il y a des joueurs qui ont une très grosse productivité, productivité disons, supérieure à leur salaire. C'est le cas notamment d'un certain nombre de joueurs africains ou latino-américains qu'on importe dans les championnats européens. Et il y a un cas extrême d'exploitation c'est l'exploitation des très jeunes joueurs provenant du tiers-monde. Puisque euh, l'exploitation était telle que la, la FIFA a pris en 2001 une série de règles, dont l'une édicte que les transferts des joueurs mineurs de 18 ans, de moins de 18 ans, sont interdits. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a un marché noir, sans jeu de mots, des joueurs africains. Et il y a une vogue de la cotation des clubs en bourse, qui était vers la fin des années 90, début des années 2000, au, au moment de la fameuse bulle financière Internet, soi-disant Internet. avez une belle image. — Ah, voilà. <laughs> Alors ça, c'est... Là, le voilà, votre ah, joueur coté. Voilà. Lui, lui, il est vraiment coté parce qu'il est, est sur un billet. — Voilà. Sur un billet. Non, ce billet n'est pas, pas un vrai billet. D'abord, c'est un billet de la Banque de Russie parce que le oui, financier oui, oui. Du, du club anglais il, est, est un, a, est est un, est un, un russe. — Un oligarque russe. russe. — Mais pourquoi pas, d'ailleurs On peut très bien imaginer. — Oui, oui. C'est une manière de <laughs> bon. le coter. Euh, d'ailleurs, je dirais que... — Non plus Pasteur ou Fleming, mais oui. un, joueur de, un joueur de football. — hein. Il y a de, de fait une, 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 une sorte de cotation implicite des joueurs de foot qui est... Que les, les revues publient tous les ans la liste des plus gros salaires. Et là, c'est indirectement une sorte de cotation. Mais ce n'est pas une cotation en bourse, c'est une cotation par les médias. Par contre, la cotation en bourse, ça existe pour des clubs, mais c'est une formule qui était très, très en vogue il y a, il y a une dizaine d'années. Malheureusement, la plupart des clubs cotés en bourse ont vu leur cours s'effondrer, la seule exception étant Manchester United. Et alors, on peut se poser la question pourquoi, et les économistes ont une réponse. Quel est le capital d'un club Eh bien, dans la comptabilité d'un club, le capital pour l'essentiel, c'est la valeur des joueurs. Or, la, va la valeur des joueurs, c'est quelque chose qui n'est pas stable du tout. C'est ce qu'on appelle un capital, un capital intangible. Si le joueur se blesse, s'il se fâche avec son entraîneur, sa valeur va diminuer et la valeur du club va diminuer. Et donc sa cotation en bourse également. Concernant euh, la place de l'Inde, par exemple, l'Inde est un, une des très grandes puissances euh, de demain, sinon déjà aujourd'hui. Or, la place de l'Inde dans le sport euh, olympique, par exemple, ou dans le sport international, est une place faible. Hein. Alors, ma question, c'est, alors que la Chine, par contre, a un poids considérable, est-ce que au fond, il manque quelque chose à l'Inde. Est-ce qu'il faut que l'Inde se conforme à ce modèle, qui est, qui est au fond un modèle que nous avons édicté? Le sport, euh, oui, c'est oui. le sport spectacle et le sport professionnel à l'échelle de la planète, ou bien. Non, justement, l'Inde est un des pays. Enfin, il y a des pays qui, parce qu'ils sont très petits, très pauvres, etc., africains, ne se conforment pas au, modè au modèle dont on parle, parce qu'ils ne le peuvent pas, tout simplement. Ils n'en ont pas les moyens. Mais l'Inde, si on reprend l'explication des médailles, a une énorme population. Son produit intérieur brut par tête est en train d'augmenter. C'est un des pays émergents. Donc c'est un pays dont un économiste pourrait penser spontanément qu'il devrait gagner beaucoup de médailles. Or, on constate que l'Inde gagne 3 à 4 médailles par jeu. Et donc ça veut dire qu'il y a d'autres déterminants. Il ne faut pas croire uniquement ce que racontent les économistes. Bien sûr, on a une rationalité. Mais euh, l'Inde euh, est un pays, à mon sens, qui n'a pas une stratégie olympique, par exemple. Et ils ont sans doute, le, il y a une politique sportive en Inde, mais il n'y a pas une politique de, qui, qui vise, comme dans les pays européens ou dans un certain nombre de pays du monde, ou comme en Chine. Ce n'est pas exclusivement capitaliste. Hein. La Chine communisto-capitaliste est, est dans le modèle, alors que l'Inde est hors ce modèle que vous rappeliez. Ils ne sont pas. Polarisés sur le gain de médailles. Et en fait, ils se sont spécialisés, peut-être pour des raisons culturelles ou en raison de l'influence anglaise passée, dans des sports où ils sont très très bons, comme le cricket par exemple. Mais, mais voilà, ce n'est pas, pas une nation olympique. Ce n'est pas une nation olympique. Elle est en dehors de cette logique. Et il n'y a pas que l'Inde. Mais l'Inde est un pays qui pourrait l'être. Donc si elle ne l'est pas, c'est qu'ils ont, ont choisi de ne pas l'être on pourrait envisager euh, maintenant un aspect essentiel que sont les dérives du sport euh, et surtout le regard de l'économiste sur ces dérives du sport. Alors, elles sont de toutes sortes, les dérives financières, on a eu l'occasion d'en parler, euh, les paris truqués, euh, la discrimination raciale, euh, mais aussi euh, se pose la question du, du dopage. Alors comment intégrer euh, ces dérives dans une réflexion économique Oui, alors il y a une économie du dopage, c'est une théorie connue euh, qui, qui remonte à Becker, un prix Nobel d'économie. Qui a, qui a développé une économie du crime. Et parmi les crimes possibles, il y a la corruption, il y a le dopage, et on, on le met dans la même analyse, qui est tout simplement que le criminel, donc le dopé, c'est un individu qui, avant de prendre la décision de se doper, compare ce qu'il va gagner économiquement du dopage, donc il va gagner des revenus, des, une notoriété, etc., avec des coûts. Qui sont le coût des produits dopants, mais aussi le coût des sanctions éventuelles. Donc tout ça, c'est en probabilité. Hein. Donc sa probabilité de gain et sa probabilité de coût. Et quand il voit que sa probabilité de gain est plus grande, il décide de se doper, parce qu'il va, il va, il est gagnant. Sauf si, dernière variable, sauf s'il a une éthique très très forte qui va l'empêcher de se doper. Mais c'est de moins, de, de moins en moins vrai de nos jours. Donc il y a vraiment un calcul économique de décision de corrompre ou de se doper. Ça, c'est l'approche, disons, un peu traditionnelle. Plus récemment, euh, il y a eu une analyse plus, que je trouve plus intellectuellement intéressante euh, du dopage d'un point de vue économique qu'on appelle euh, la théorie des jeux et plus exactement un jeu qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Imaginons euh, deux situations où les deux, il y a deux joueurs qui sont en compétition. Et il y a deux situations. L'un, euh, l'une, il ne se dope pas. L'autre, il se dope tous les deux. Et le résultat, ils se partagent les gains. C'est-à-dire ils font match nul ou ils partagent les revenus. Bon. Et puis il y a une troisième situation. Il y en a un qui se dope et l'autre se dope pas. Et celui qui se dope gagne tout le temps. Eh bien, si ce modèle marche et on a l'impression qu'il marche dans la réalité ça conduit à la conclusion suivante que tout le monde a intérêt à tout le temps se doper. Et plus il y a d'argent dans le sport, et plus on a intérêt à se doper, c'est-à-dire à se mettre dans la situation 3. C'est-à-dire se doper, quoi qu'il arrive, parce que si l'autre se dope, bah on va partager les revenus, mais si moi je ne me dope pas, et que lui il se dope, je perds tout, et lui il gagne tout. Alors donc, dopons-nous, dopons-nous. C'est très inquiétant, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Je trouve que c'est une thèse paradoxale, tout de même. Elle est un peu paradoxale, mais euh, elle, donne, euh, elle, elle, elle conduit en fait à revoir le fait, euh, la lutte contre le dopage. Bon, la lutte contre le dopage pour beaucoup d'économistes c'est un échec. Pourquoi Parce qu'on définit une liste de produits qu'il est interdit de prendre ou de techniques qu'on n'a on pas le droit d'utiliser. Alors, notamment dans le cas des substances, il y a un seuil. C'est-à-dire si vous avez de l'EPO en dessous d'un seuil, vous n'êtes pas dopé si vous êtes au-dessus du seuil. Ça, ça a deux effets très mauvais. Le premier, c'est que tout euh, sportif propre est incité à se doper jusqu'au seuil. Donc le fait d'avoir un seuil de dopage, ça incite en fait les gens à se doper au moins un peu, alors qu'ils n'y auraient peut-être même pas pensé. Et puis au-dessus du seuil, eh bien ça conduit... Les labos de pharmacie, les médecins, etc., à inventer de nouveaux produits, de nouvelles techniques de dopage. Donc il y a une course entre l'innovation pharmaceutique et médicale et euh, le, le dopage, qui est perdue d'avance. Qui est perdu d'avance. Il y aura toujours un produit nouveau. Donc il ne faut pas procéder comme ça. Alors que si l'on part du dilemme du prisonnier. Donc si je me dope, c'est-à-dire je triche, parce que je suspecte que l'autre pourrait tricher. voilà l'idée. Voilà eh bien, de cela, on peut dériver une solution, une formule, elle est peut-être un peu utopique, mais il faudrait la tester au moins, de lutte contre le dopage, qui serait celle-ci. Passons une charte entre tous les athlètes d'un sport, acceptant que chaque athlète déclare en début de saison, par exemple, quel est son protocole de pharmaceutique ou médical, quels sont tous les produits qu'il va utiliser, ou euh, les techniques médicales qui vont lui être appliquées. Tout le monde inscrit ça, c'est dans un document. On peut supposer qu'il n'y met que des choses pas dopantes, mais il peut y mettre des choses dopantes, de on n'en sait rien. Imaginons qu'il gagne très souvent des compétitions, plusieurs autres athlètes le suspectent à ce moment-là de dopage et demandent la divulgation du protocole, sous réserve qu'eux-mêmes divulguent le leur. Et s'il y a un accord des athlètes qui se fait sur cette base-là, évidemment... Les athlètes mettront de moins en moins de produits dopants de dans leur protocole. Il y en aura toujours un peu. Ça pose aussi le problème de la, de la gouvernance euh, sportive. Ne, ne l'envisageons pas en général. Envisageons-la par exemple pour le CIO. Oui, Car euh, on sait très bien que le problème du dopage concerne euh, les Jeux Olympiques par exemple. Alors co comment, comment penser ce, ce, cette gouvernance et éventuellement les déficits de cette gouvernance oui, oui, Alors il y a sans doute un déficit de gouvernance du CIO, de la FIFA et de, de la plupart des fédérations et des organisations du sport. Euh, on peut l'expliquer par plusieurs raisons. Euh, commençons par la plus simple et la plus évidente. Il n'est jamais bon pour le sport de divulguer qu'il y a du dopage. Hein, L'affaire Festina aurait pu arrêter le Tour de France. Bon, hein, il ne s'est pas arrêté, mais il, ça a enclenché un processus, justement. Ne fallait-il de... pas l'arrêter Oui, on, aurait pu, on, on pouvait se poser la question ne fallait-il pas l'arrêter, justement et, En tous les on cas, ça a déclenché euh, une. Un peu plus d'efforts dans la lutte anti-dopage. Euh, disons que l'Union cycliste internationale euh, ou le, le CIO sont un peu moins décrédibilisés après, à partir de 1999 parce qu'ils ont fait des efforts. Ils ont, Il y a eu l'Agence la, mondiale pour le dopage qui a été mise en place, il y a eu les contrôles inopinés, etc. Donc a, on, ils ont montré qu'ils qu luttaient. Mais ça n'est pas bon, objectivement, ça n'est pas une bonne propagande pour le sport de voir qu'il y a des, des gens qui se dopent. Pour faire du sport. Cela dit, il y en a qui se dopent ailleurs aussi. Mais le sport, c'est un produit pour le vendre. Il ne faut pas qu'il soit trop mauvais. Alors, ça, c'est la, la première chose euh, qui devrait améliorer la gouvernance, parce que ça détruit un peu le produit. Le, le, le dopage, mais la corruption, c'est pareil. Ça détruit le produit. Euh, ce qui s'est passé pour l'attribution des jeux de Salt Lake City, bon, euh, le, le C.E.O. en a déduit qu'il fallait évincer un certain nombre de membres du C.E.O. Qui, qui avait baigné dans, dans cette affaire, mais plus, plus largement, le, le, le problème est très compliqué parce que pour une organisation telle le CIO ou une, une fédération, il y a un problème de gouvernance interne qui est lié à un problème de gouvernance externe. La gouvernance externe, c'est est-ce que le CIO se comporte bien par rapport à son environnement économique, aux produits qu'il vend, cest à est-ce qu'il lutte efficacement contre le dopage. Ce que j'ai dit. Précédemment, laisse craindre que la réponse ne puisse pas être oui à 100%. Et puis, il y a un problème de contrôle interne. Le contrôle interne, c'est, au fond, pour un économiste, est-ce que le CEO est bien gouverné C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il est bien géré économiquement, financièrement Alors, le problème avec le CEO, c'est que ce n'est pas un organisme qui cherche à faire du profit. Une entreprise qui cherche à faire du profit, je ne dis pas qu'elle est toujours bien gérée, mais elle cherche à être bien gérée pour gagner de l'argent. Le CEO, ce n'est pas son but. C'est officiel. Et les gens du CEO ne cherchent pas à faire de l'argent. Deuxièmement, c'est un monopole. Alors, il y a quelque chose qui améliore la gouvernance d'une organisation, c'est la concurrence. Parce que si vous avez un concurrent, que vous êtes mal géré en interne, vous allez, vous allez être éliminé. Et puis maintenant, si vous êtes mal géré en externe, c'est-à-dire que vous faites de la corruption, etc., de, de, de gens qui sont extérieurs à votre organisation, les concurrents vont se plaindre vont vous intenter des procès. Et vous allez arrêter de faire cette mauvaise gouvernance externe. Or, ça, le CIO, il n'a pas de concurrent. C'est un monopole. Est-ce que le sport vous semble être toujours un vecteur d'émancipation sociale <laughs> pour, pour les winners, certainement. C est, c est, c est, c est, cette idée de le, le, le est, athlète des all. Jeux Arabes, voilà, ici. le winner take all. Il a gagné beaucoup de médailles des Jeux Arabes, mais au moins dans le monde arabe, c'est un monsieur qui est devenu connu, certainement. Donc il va y avoir des effets de réputation qui lui, qui lui seront favorables. Un effet de réputation, ça se vend. Hein. Donc il va, il va gagner de l'argent. Ça se médiatise. Donc il va passer à la télé ou il va avoir des sponsors. Il en a déjà peut-être, mais il en aura encore plus. Donc en effet, pour lui, euh, pour le dire comme ça, il est dans l'ascenseur so social de son pays, ou, ou même du, du Moyen-Orient. Hein. Il est dans l'ascenseur social. Bon, ceux qui en revanche n'en ont, ont pas autant de, de médailles, voire n'en ont pas du tout, c'est un peu plus compliqué. Et quel diagnostic porter sur notre civilisation à partir du gigantisme des jeux que nous constatons eh oui. En me référant à ce à Roger Caillois, cet théoricien des jeux, qui disait que à partir des, des jeux d'une société, d'une civilisation, d'une culture, on peut porter presque un diagnostic sur cette culture et cette civilisation. Euh, la palestre, par exemple, mmh. euh, chez les, euh, chez à, à Sparte, mmh. les, les jeux de, les jeux des gladiateurs à Rome. Il y a, il y a au moins deux dimensions, c'est que, en, en effet, bon, les, le sport est devenu multinational, mondial. Enfin, euh, il y a eu des critiques, pas de moi, mais. Qui ont dit le CIO, c'est horrible, c'est une affreuse multinationale qui, qui gagne de l'argent. Alors je ne sais pas si elle gagne de l'argent, mais elle est certainement une multinationale. Et, et donc, plus on est multinational, plus on veut impressionner le monde entier, d'où le gigantisme des jeux. Bon, le CIO est en train d'essayer de, de freiner ça, mais c'est. En raison de la malédiction du gagnant dont on parlait tout à l'heure, euh, ça va continuer à, à augmenter. Euh, ça c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect, là je m'aventure sur un terrain euh, le gigantisme, on le voit à l'œuvre. Voilà, ça c'est cet aspect-là. Alors il y a une autre dimension que j'aimerais souligner parce qu'il me semble qu'elle apparaît euh, aujourd'hui dans, dans la société, qui me fait que parfois je me pose la question de savoir si on est encore dans le capitalisme ou si on n'est pas dans un système postérieur, malheureusement pire. Que le capitalisme, c'est ce fameux système où le gagnant gagne tout. Voilà, ça fonctionne comme ça. J'élimine tous les autres et je les élimine éventuellement par des procédés pas corrects. C'est-à-dire, je ne joue pas les règles. Voilà, le problème, mon problème, c'est que l'avenir du jeu, c'est que ça peut devenir un jeu qui n'est pas joué selon ses règles, par, par les gagnants. Voilà, et les gagnants seront systématiquement ceux qui contournent les règles. Ou les transgressent, qui impose leurs règles, ou qui les impose. Mais imposer sa règle, c'est en fait imposer au départ une règle informelle à un milieu qui a des règles formelles, puis éventuellement après réussir à la formaliser. Et, et on voit ça dans la finance. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans la finance. J'ai un peu l'impression, ou j'ai peur en tous les cas, que ce soit ça qui se passe dans le sport. Et puis la dernière dimension du, du jeu futur. C'est qu'il y a une tendance aussi au jeu de plus en plus virtuel. On va jouer les, les matchs de foot à la maison, sur son écran d'ordinateur. C'est une tendance qui risque aussi de nuire au sport, au, au sport vrai, c'est-à-dire hein, pratiqué sur un terrain, disons.